édité par Square Enix, développé par eux. Voilà, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne en vidéo. Édité par Square Enix, développé par Square Enix. Que ce soir ça va marcher. C'est pas un jeu que je fais, ce soir ça va marcher. Ça va, ça ne se fera pas. C'est pas bien grave. Je relance plus. Je laisse tourner la vidéo. Est-ce que ça va? Ça va fonctionner. C'est vrai qu'on peut m'en regarder. Faut que je fasse attention. J'attends qu'il y ait un retour. Je pense que normalement ça devrait marcher, mais j'attends qu'il y ait un retour. Non, ça va pas marcher. Allô? D'accord, oui, ok. Alors, ça fonctionne. Hein. Donc, je pense que ça va marcher. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai l'émission Geekcity, comme vous pouvez le voir. Ce soir, ce n'est pas The Callisto Protocol. C'est la dernière vidéo de l'année. De toute façon, on est en mémoire, comme vous savez. Habituellement, depuis début septembre, à chaque fin de mois, je fais toujours un petit peu des réacts sur nos anciennes vidéos. Je me régale à regarder d'anciennes vidéos avec vous. Et du coup, ben, on n'échappe pas à la règle, c'est le dernier live de l'année. Et du coup, dernier live en même temps du mois de décembre aussi, parce que demain c'est le 31. Et le 31, je ne suis pas disponible. Et de toute façon, je n'aurais pas fait de live, je pense pas le 31. Mais voilà, dans tous les cas, on se retrouve pour la DRDDR cette fois-ci. En termes de vidéos, et on se retrouve pour du react sur nos anciennes vidéos. Alors, on va regarder quelques-unes. Hein. Je crois que là, on a la vidéo découverte de certains jeux d'Oldies. On a la démo de Sonic, on aura un truc d'Alice, un truc comme ça. Bref, dans tous les cas, je pense qu'on va un petit peu se régaler. Je pense qu'on va s'éclater. On est là pour 2 heures, jusqu'à pas d'heure d'ailleurs. J'ai pas trop d'heures pour essayer de finir. Mais voilà. Bref, on va commencer, et puis vous savez, vous connaissez maintenant, si jamais j'ai des trucs à raconter, je n'hésiterai pas à vous le dire. Tapisser un petit peu le son de ma télé. J'essaie de coller ma bouche auprès du micro. Ça marche pas. Attends, attends, avant de commencer, présentation. Et tu peux parler, toi, t'es derrière la caméra. Alors, on va faire un direct live. Direct live. Déjà, pour commencer, ça se trouve c'est très dur. C'est quoi le jeu, Jérôme? C'est Castlevania. Donc, je vous mets tout de suite le gaming live. Donc, on est sur Castlevania sur la NES, il me semble. Donc le personnage c'est... Ça va être Simon Belmont, je pense. C'est ça. C'est Simon Belmont. J'ai acheté il y a quelques temps, et je vous le dis maintenant, mais ça sera fait en let's play. J'ai acheté il y a quelques temps de la collection des Castlevania. Donc c'est prévu que de courant 2024, voire peut-être 2025, il y aurait un let's play sur la saga des Castlevania. C'est très old school.
Ah, c'est pas trop mal. C'est la Pour la Nintendo. Nintendo première du nom, pour le rappeler. Donc je rappelle qu'on filmait Pour rappeler des dans souvenirs. l'appartement, dans la chambre même Voilà. de notre ami Lolo. On filmait avec la caméra. Donc c'est pour ça Alors, que vous avez désolé pour un les écran. souvenirs L'écran est divisé en de deux. l'écran, mais j'aurais maintenu à filmer avec sa caméra. Donc là, il y a une partie haute où il y a la couleur et la partie Je basse où il n'y a rappelle pas que de c'est un couleur. bon coup tout à l'heure. On dirait que globalement on est dans la nuit. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Critique pas, je sais pas. Donc c'est normal qu'on n'y voyait rien avant qu'on me dise quelque chose, C'est vraiment c'est tout à fait une normal. vraie découverte. Comment je fais? Ouais, j'ai fait pour vous. Voilà, là il essaie de bien se placer pour avoir un tout petit peu de lumière sur le personnage de Simon Benon, mais c'est un peu la galère. Voilà, donc là on peut voir sur le côté, nous oui. Donc là, je fais juste un petit arrêt sur l'image. Alors, on repasse, c'est dommage. Voilà, donc là, c'est un peu dégueulasse. Donc la blanche, c'est la mienne. C'est celle qui est juste en haut à gauche de l'écran. Et juste en dessous, il me semble que c'était la sienne. C'était la noire. Parce qu'on jouait sur la. On jouait bien sûr sur l'émulateur de là-haut, bien entendu. Je rappelle que la mienne était pucée. Et la sienne en Alors, avait moi, réussi à si on la n'est pas craquer. arrivé à la fin du Donc premier tour, c'est maintenant il y a prescription parce qu'on ne s'en sort plus. Ni la mienne, ni on la va sienne. tomber. Oui, j'essaie d'avoir un rendu parfait. Désolé d'ailleurs si je bouge un peu, mais. Donc on peut voir déjà mes qualités de très bon joueur de Castlevania. J'ai perdu deux barres de vie. Voilà, Castlevania numéro 1, premier du nom. Donc c'est un direct live, je vous le rappelle. C'est une découverte. Jérémy n'a jamais joué à ce jeu. Je découvrais vraiment le jeu. On le voit, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il mettait le jeu, je découvrais vraiment au moment où il mettait le jeu, on enregistrait et je découvrais le jeu en même temps. C'est vraiment du vrai direct pour le coup. C'est pas j'ai joué 5 minutes avant en me disant bon mais c'est bon j'ai un peu joué dans un ancien. Non non, c'était vraiment on mettait le jeu, on lançait le jeu plutôt, et on allumait la caméra et bien on tourne. Allez, ben, ok d'accord, ben, on fait ça. Très bien. C'était son idée. Et il m'en a fait baver, de toute façon vous allez pouvoir le voir dans parmi quelques vidéos qui sont que j'ai pu diffuser sur sur ses découvertes oldies, qui m'en a fait baver quand même un petit peu sur Nintendo. Ben, j'ai eu ma revanche quelques semaines après, je crois, Ouais, j'ai que pensé qu'on vraiment avait essayé repris. d'enlever le truc noir. Et c'est lui qui a pris qu'il Sauce. avait en a encore plus chié que moi sur certains jeux. Mais ça, on le verra. Je loupe le truc. C'est gros comme un Voilà, camion, on j'ai a jamais reconnu loupé. le jeu. Voilà, je viens de tomber comme une merde. Et deux fois, non, ça va. C'est pas doué quand même sur du Castlevania. Après, il faut savoir que quand tu joues, et j'ai joué C'était le test sur la avant Wii de du coup. trouver le niveau, moi. Voilà, Et sur le défi de Jérôme. Voilà, un petit défi. Dans ce direct d'av, je vous rappelle qu'on peut pouvez vous inscrire sur la page Facebook de Matiti. Là, on avait une page Facebook à ce moment-là. Et C'est vous vieux. pouvez vous inscrire sur le Twitter de Matiti qui est sous le nom de Walking Dead. Ouais, on avait un truc. On Où il y a avait déjà presque 200 visiteurs, je tiens à le préciser, c'est pas mal. On était dans l'air du temps. Maintenant, il n'y est plus. Pas nous voir sur le Vous pouvez aussi venir nous voir sur le blog qui est sur Overblog. Et un futur site dont nous vous parlerons plus longuement sur les prochaines vidéos. Qui n'existe Et plus. sur le monde de 5 quand même. Voilà. Que ce soit Overblog ou le futur site, je crois que Overblog c'est mort. Et pour ceux qui sont Et je vivants. crois que le futur site n'existe plus maintenant. Je sais plus. Ça, par contre, je me rappelle pas. Ça date il y a ça date il y a plus de 10 ans. Oula, il sait toujours pas tenir la caméra. Oula. Il nous a pris la caméra, je sais pas ce qu'il a fait. C'est le Il a boss, cru qu'on on était va sur un tous bateau. finir. C'est un... Ah, c'est lui le boss. Une chauve-souris qui doit Une être mauvaise Pia. Non, c'est pas vrai. Renalsa, t'as l'intention de venir Oh, c'est jouer vrai! aussi pour Tsukumu? Je sais pas. J'avais oublié ça! Bah, c'est une bonne idée. Oh, j'avais oublié! Oh merde! Bon, ben c'est un Ah, peu si, si. loupé. Alors, je sais pas si on l'aura plusieurs fois. Je pense qu'on l'aura plusieurs fois dans Si, tous les cas. si. Bonsoir, Jérôme. Non, je m'en
voilà, démo ouvert. Ah non, c'est le début du niveau. Non, c'est pas début du niveau. Voilà, donc je coupe un peu le son parce que j'ai, pour expliquer, pour éviter d'arrêter. En fait, je pour rappel, on tournait ceci dans la chambre du coup de Lolo. Donc on avait bien sûr tout ce qui était le côté gaming. Et il avait aussi un ordinateur qui date de l'Antiquité. Je sais même pas s'il fonctionne encore maintenant. Et dont sa mère s'en servait. Et en fait, c'est sa mère qu'on vient d'entendre parce qu'elle... De temps en temps, elle venait sur l'ordinateur pour régler des problèmes de papier. Il faut savoir que c'était un vieil ordinateur avec, je sais pas si c'était pas Windows XP, voire Windows 98. Pour vous dire à quel point l'ordinateur était très vieux. Je pense. Ah, j'ai remis le son du coup, comme ça j'ai pu donner l'explication. De la sortie de la Nintendo, non? Donc là, on parle l'année de sortie du jeu, on avait dit c'était les années 80. De ma naissance. Voilà, donc le jeu, il a... Donc vous voyez, il est très vieux. Okay. C'est un ancêtre à l'image de Mario. Attends, 86, il a 86, il y a 3 ans, plus que moi. Il a 37 ans. 37 ans, il a le jeu. Actuellement, il vient d'avoir 37 ans. Ah, il est quand même vieux, mais il était quand même pas si mal à l'époque. Hein. Pour 1986, le jeu était quand même très beau. Je rappelle, on est sur NES. C'était un peu... C'était un peu une beauté quand même pour à ce moment-là. Là, comme je disais tout à l'heure, il faut rappeler que je joue sur une avec la Wiimote. Et le, je sais plus si c'était Wiimote Nunchuk. Donc c'était un peu la galère, mais après, c'était pas difficile non plus à prendre en main parce que la NES n'avait que 4 boutons. Des touches directionnelles. C'est Select, Start, A et B. Et c'est tout. Donc là derrière, vous avez pu entendre ma mère qui conduit la friteuse avec le bruit. En train de mourir. Donc on applaudit Jérôme qui a passé le premier niveau. J'ai failli mourir encore une deuxième fois pour le premier niveau. Deux morts, deux vies perdues, c'est le premier niveau quasiment. Tu es content. Surtout que là on voit bien, il n'y a pas le trait noir. On voit bien, mais l'image est dégueulasse. Mais bon, après, je rappelle encore une fois, c'est des vidéos que j'ai repris de Dailymotion. Et que du coup, ça a dû être peut-être un petit peu compressé pour pouvoir le mettre sur YouTube. Ça, on avance doucement dans des niveaux. Je crois qu'on n'est pas allé plus loin que ça. Parce que, il me semble qu'on a fait quelques vidéos, mais quand même que la vidéo elle dure quand même 39 minutes. On a fait déjà 10 minutes quasiment sur du Castlevania. Je l'ai divisé en combien de parties cette vidéo. Je l'ai divisé en combien de parties. Je sais que les jeux NES, Super NES, on n'avait pas beaucoup sur son émulateur. Sur son émulateur, donc ça a été très rapide. Par rapport à la Mega Drive, je sais pas, qui a été beaucoup plus long. Là, c'était très beau, je pense. Très dur. Parce que j'avais fait deux vidéos, je crois. J'avais réussi à faire un montage de deux vidéos sur l'ensemble des mini-vidéos qu'on avait fait. Parce qu'il faut savoir que là, on parlait pas encore de capture d'écran, de logiciels et tout ça. C'était vraiment... Donc en haut, il y a les barres avec la hache. Puis, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que par rapport à la Mega Drive et Sega, on avait tourné pendant des heures et des heures d'enregistrement. Donc nous allons pas tarder à arrêter. J'ai fait plusieurs parties, je m'en rappelle plus exactement combien. Là je crois que j'en avais fait que deux ou trois parties qui regroupent toutes ces petites vidéos de 10 minutes. En une journée. Mais là pour le coup je vous dis à vous les studios. Un petit mot Jérôme. Ah, ce gros plan sur mon visage, c'est horrible. C'est horrible. J'ai pas changé. Castlevania 2 sur NES, on avait enchaîné sur le deuxième opus directement. Qui est le moins aimé, je pense, de toute la série. Découverte par GG de Castlevania. Zut. L'ordinateur, je voulais vous montrer l'ordinateur. J'avais oublié. Là. Ah. Attendez, je veux capturer le moment. Là, non. Non. C'est chiant.
Là, je vais arrêter. Là. Voilà. On voit pas bien, hein, je suis désolé. Mais. Merde, on peut pas le voir. C'est bon, on a vu dans le. Là. Ça, c'est le vieux ordinateur que je parlais tout à l'heure. Il est très, très, très vieux cet ordi. Je crois que ça tournait encore sous Windows. Allez. Peut-être pas 95, mais au moins 98, voire XP. C'était horrible. Je me connectais sur Facebook, ça mettait 3 jours. C'était horrible. Bon, je dis ça, mais maintenant avec mon PC, c'est avec mon ordinateur portable, c'est pareil, quoi. J'ai l'équivalent à un PC portable. Castlevania 2 sur la NES, qui est le moins aimé, je trouve, de la saga et qui, pour ma part, est notre le plus difficile à faire. Ne parlant pas anglais, le jeu est totalement, bien sûr, en anglais. Et je crois qu'au début du jeu, il faut parler avec les villageois, donc je comprends rien en anglais, c'est trop horrible. Le JDG avait fait une vidéo là-dessus, sur ce. Donc, il avait fait une vidéo test sur la saga des Castlevania, et il avait parlé aussi de ce jeu. En plus de Castlevania qui a l'air 64. Qui a l'air difficile, apparemment, et très. Bref, je vous dis à vous les studios et. Voilà, ça y est, la Et elle est coupée. Je l'ai empêché de couper la vidéo parce que j'avais trouvé le passage. Mais bon, là, ça va pas durer longtemps parce que je suis loin de merde, tu encore. Ça se voit, voilà. Je suis très doué, hein. Regardez, je suis très doué pour me faire frapper, hein. Je vais mourir déjà, c'est juste le début du jeu, je suis déjà mort. Je sens bien let's play là-dessus. Je le sens bien. Pour une fois, je peux vous prédire un prochain let's play, ok, je sais que je vais galérer. Ça va être celui-là, mais ça va être magnifique, avec Castlevania. J'ai hâte. J'ai hâte parce qu'en plus, on le fera dans un ordre bien précis. Pas dans l'ordre des sorties de jeux vidéo, mais dans l'ordre de l'histoire. Vous savez, j'aime bien quand il y a une saga, j'aime bien commencer par le début de l'histoire. Pas par le premier, pas forcément par le premier opus sorti, mais par le premier de la qui raconte l'histoire. Par exemple, la saga des Kingdom Hearts, le premier opus à être sorti, c'est bien sûr Kingdom Hearts 1 sur PlayStation 2, mais le premier de l'histoire qui va nous raconter l'histoire, c'est Kingdom Hearts X qui était sorti sur portable. C'est quoi, c'est un boss? Ouais, c'est la vie. J'ai une rate, c'est horrible. Mais c'est pas vrai. Et voilà, game over. C'est toujours pas vrai. Les premières du jeu, tu te fais toucher un coup, tu fais un bond de 4 mètres de haut. Oui. Je pense que si Jérôme repère toutes ses vies. Mais surtout qu'on voit que le checkpoint quand même sont vachement dégueulasses. Parce que je suis au moins l'endroit où l'ennemi pop. Quand tu connais pas, bah, tu meurs plusieurs fois. En plus, j'ai une personne qui sait pas nager. D'accord. Au revoir. C'était pas loin. C'était pas loin du. C'était pas loin du au revoir. C'était Castlevania Simon Quest. Batman, ah oui, Batman sur NES, ouais, c'est vrai, on l'avait fait celui-là. Je redécouvre en même temps les vidéos. Batman City, bonjour. Ouais. Il adore faire des gros plans sur son tronche. Alors ça, c'est mon ancien portable. C'était mon premier ordinateur portable qu'on avait, qui était à côté. Qui me servait à faire des introductions de merde sur les autres voyez, jeux. Batman est assez flashy. Gotham City. C'est différent du Batman qu'on a aujourd'hui. Hein. Gotham City est donc Dark. Ben c'est sûr que pour arriver jusqu'à Arkham Knight, on en a passé quand même des Batman. Hein. Des bons et des mauvais. Hein. Comme vous le voyez, surtout parce qu'il a zoomé comme un gros bâtard qu'on connaît bien. Les ennemis, on sait pas ce que c'est. C'est
c'est bien du Joker. Parce qu'on a oublié de préciser un truc. C'est que ce Batman-là, il suit l'histoire du premier Batman qui est sorti en 1989. Avec oui. Val Kilmer dans le... Non, pas Val Kilmer. Voilà. C'est Michael Keaton. Michael Keaton qui est Batman. Qui est Batman dans ce film-là. Et Jack Nicholson, le Joker. Et oui, donc on est sur une adaptation du premier film qui sortit en 1989. Donc là, je vous de Batman sur la PNES, donc le film qui était de Tom. Tim Burton. Donc, avec, j'ai un peu de zoomer, sinon on ne voit pas trop. J'ai dit, avec Michael Keaton dans le rôle de Batman oui. Et Jack Nicholson dans le rôle du Joker. Bon, on n'a pas dépassé le premier niveau. Si on le zoom, on voit très bien Batman. Donc. Il n'y a pas le traîneur en milieu, ce qui fait qu'on voit très très bien le jeu. Pour une fois. En tout cas, je rappelle, on est en 1989 sur la NES. Les ennemis nous ressemblent toujours. Ils sont toujours aussi bêtes. Ils sont bêtes, ils font vers moi. Donc là, on est sur du petit mode. Vous voyez, on appuie deux coups et très facile, on appuie sur une touche. Faut tirer coup, ouais. Batman, lui, ne tombe pas au sol quand il meurt, il explose. On va y arriver au bout de ce niveau. On va échapper une mort, peut-être une mort certaine. Et qui est toujours aussi doué pour les sauts. On peut pas. Il est très mauvais. Non, c'est pas que je suis mauvais. J'essaye de voir. Allez, voilà, ça te dit, tu t'es mis. Aïe, oula, c'est quoi ce cadrage? Lol, il faut arriver à se cadrer là, faut arriver à bien cadrer, c'est pas possible. Wow, le zoom! Ok. C'est jamais celle caméra qui suit pas la caméra. Qui suit pas le personnage, tu sais, dans les jeux vidéo, on a toujours un problème. Dans les anciens jeux vidéo, il y a toujours un problème de caméra qui suit pas le personnage. Là, on a un problème de caméraman qui suit plus du tout le perso, à mon avis. Après. Pour ça, des fois, c'était pas facile parce que je rappelle que c'était une caméra qui n'était pas non plus tip top à la base et on filmait sur un écran, donc c'était pas non plus. Batman. C'est pas non plus excellent. Ouais, mais par contre, heureusement qu'il a arrêté ses repas sur ma tronche. C'est horrible. Batman 3. Est-ce que toujours sur un S1 hein? Oh, bonjour, Matiti. Matiti, c'est le nom de la chaîne. Pour un nouveau gaming live découvert par GG. Cette fois-ci, le choisi est Batman 3. Si vous comprenez l'anglais, vous m'expliquerez ce que ça veut dire. It is peaceful, d'accord. Je rappelle que LOL avait le même niveau que moi en anglais, donc c'était pas possible qu'il dise. Donc là, vous voyez. C'est qui en rouge? Si je sais. On sait toujours pas qui c'est en haut. Ça ressemble au Chapelier Fou, mais je suis pas sûr. Chapelier Fou. Il y a le Chapelier Fou. Dans Batman. Oui, dans Batman. Et oui, parce que je me rappelle plus qu'il y avait bien sûr le Chapelier Fou. Le Bat-Signal. Alias Jarve Steak. Blazing to the Sky.
Qui est pas le, qui est pas le méchant le plus And connu, Batman je crois, de Batman. returns to Gotham City. Oh, le Batignolles. Toujours la Nintendo. Toujours la première Nintendo, la bonne vieille console. Voici la Batmobile. Qui était pas mal. Qui était pas mal représenté. Gotham Plaza, City Ah oui, Plaza c'était Sports. Invisible, d'accord. Il est où le personnage? Il est où le C'est le même personnage? que tout à l'heure. Il est où le personnage? Alors ça a l'air d'être une bite de tout ce qui est classique façon Dragon Oh, le GG T'as l'ouest. Et c'est à mal parce que j'ai dit c'était un bisémol comme Dragon Ball, au lieu de dire comme double dragon, qui était la référence à ce moment-là. J'ai dit Dragon Ball. Double chauve-souris. Mais t'as dit que c'était comme double dragon. Ah oui! Donc en bas, vous avez la barre de vie, les scores. Parce que oui, avant, les scores étaient importants. Maintenant, beaucoup moins. Un jeu à ce temps-là, de finir, on s'en foutait totalement. C'est quoi ça? Et voilà, il s'est pris un chou dans la tête. Putain, c'est quoi ce mec qui a des yeux, ça, ce qu'il a là, à la place des pieds? C'est des yeux, ça, ce qu'il a à la place des jambes, c'est pas possible. Ah d'accord, c'est la barre des amulettes dessous la barre. Ah oui, la barre des ennemis en dessous de la barre de vie de Batman. Je suis Bon, comme vous le voyez, on est très loin Batman. des actuels jeux de Batman. Alors là, on est très très loin. Et oui, avant de devenir à Batman Arkham City et Nexa, Batman Arkham Asylum sur PS3 et Donc, PS60. j'ai bien cité, on est d'accord, j'ai bien parlé d'Arkham Et City. ouais. Ça, c'est Et j'ai dit que je ne savais pas qu'il y avait le chapeau faux au début. Or, dans Arkham City, si j'ai bonne mémoire, à moins que je confonde peut-être avec Arkham Origins, ça j'ai un doute, ou Arkham Knight, mais bon, ça je pense pas. Mais il me semble que dans Arkham City, il y a tout un passage avec Jervis Tech, alias le chapelet fou. Or, je dis en tout début de ce passage de vidéo que je ne savais pas qu'il y avait le chapelet fou dans Batman. Sans avoir mal au bras, pour celui qui est fini. Je sais pas si à ce moment-là je jouais déjà à ce jeu, mais bon. Oui, c'est bon. Et là, c'est chiant. Oh, je dis chiant, mais bon, c'est vrai que. Là. Là, j'ai la famille du sang, mais là, je sais pas. Ok, c'est pas du copier-coller, ça va un peu? Batman se fait courser par une auto. Alors maintenant ma référence Un serait squelette à plus moto. au lieu de double dragon, ce serait plus J'ai ce joué là une les Street of Rage sur Mega Drive. Ou même Fatal Fury Terra. Sur je sais pas sur Super Nintendo, je crois que c'était sorti. Après. Maintenant ça pourrait faire aussi référence au dernier Tortue Ninja qui était sorti. Turtle Mutant Ninja, c'est bon, bref. Tortue Ninja, la revanche de Shredder, qui est sorti il y a quelques mois. Là, sur PS4, PS5, Xbox One, Voilà, Xbox Series X et PC. Toujours ce gros plan sur ma tronche quand même. Il adorait faire ça, hein, à ce moment-là. Maintenant, vous avez pas un gros plan, mais vous avez un plan sur mon profil. Oui. Ça change toujours pas. Vous voyez, vous avez un plan sur mon profil à moi. Ah oui, mais c'est déjà mieux que rien. Vous ne voyez plus de face sur les vidéos, vous voyez comme ça de profil. Ouais, il se termine jamais ce niveau. Les cœurs de vie redonnent de la vie. On a peut-être loin de la fin de la vidéo. Ah, oui, ah, il reste encore 14 minutes. Ça va quand même, ça passe vite. Au pied-collé, hein. Street of Rage sur Mega Drive ou Double Dragon sur. Double Dragon, double Dragon. Double Dragon. J'ai pas la suite. Oula. Bim. Alors, ça,
c'est ça, c'est pas copier-coller sur un truc. Je disais déjà la référence à Soul of Rage. Mais je vais mourir. Nim, je suis mort. Game over. Game over. Voilà, une magnifique game over de la part de Jérôme. Eh bien, ça arrive à un moment donné un autre. Sur ce Batman très arcade. Très copier-coller aussi, surtout. Donc, on... Les studios. Peut-être très copier-coller, mais assez sympa quand même, je pense. Ouh, prise au fer sur la première division. Ouh là là. Ah oui, alors là, ça c'était incroyable à dire. Une revoilou pour cette fois-ci un direct live découverte Prince of Persia, premier du nom, sur la Nintendo. Oula, j'ai pas d'âme. Je vous invite à aller voir le mardi découverte de Admin on Game sur ce jeu. Je crois que je ne l'ai pas regardé entièrement encore. Mais. Donc, ton avis, Jérôme ? On avait tenté d'aller le plus loin possible. En une vidéo, donc. Une heure. Ça change des principes par semaine pour le jeu. Ça, c'est. Donc, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le projet de ça. On est enfermé dans un donjon. Et. C'est fait enlever par les visiteurs. 60 minutes. Mais vraiment. Pour de vrai. C'était le premier jeu en temps réel. Vraiment en temps réel, par contre. On a vraiment 60 minutes pour sauver la princesse. Ça veut dire que tu peux mourir autant de fois que tu veux. Et au fur et à mesure, tu as le chrono qui descendrait. Et voilà, vous voyez, tout à l'heure, on a commencé à 59 minutes. À 60 minutes, il me reste 59 minutes. Et le jeu est assez long. Il est non seulement une très difficile, mais ultra punitif aussi. Bon, le point positif, c'est qu'à l'époque, on était fixé sur la durée du jeu. C'est sûr. On s'en foutait totalement de la durée du jeu. Enfin, même si on mettait un mois pour le finir. Allez, le soulever. Et voilà, encore Jérôme qui perd. Et les anciens jeux dans le temps sont vraiment très très difficiles parce que ça se joue au millimètre près. Ah, c'est même pas au millimètre près, c'est. Et il a les triangles, c'est ses vies. À la dixième de seconde. C'est ma vie, ouais. Ça se joue. Elle crée un amour. Et ce qui est dommage, c'est que c'est quand même une licence qui était très bonne, Prince of Persia, mais qui s'est un peu perdue avec le temps, je trouve, c'est dommage. J'aime beaucoup cette licence. J'ai beaucoup aimé durant l'ère PlayStation 2, PS3. Et c'est vrai qu'après ça, ça n'a pas duré, c'est malheureux. Ah bon, après, voilà, ils sont partis, c'est Ubisoft qui a récupéré sur la licence, vous le savez, et ils sont partis sur plein de choses. Parce qu'au début, ils avaient quand même trois grosses licences phares. Maintenant, il n'y en a qu'une sur les quatre. Il n'y a qu'une seule licence qui fonctionne encore à peu près. Au revoir, Jérôme. Mais voilà, mais c'est dommage parce que du coup, les autres licences qui étaient très bien, elles sont passées à côté. Les Rayman, qui étaient vraiment de la pure plateforme 2D, 3D, qui étaient vraiment génial à faire. Voilà. Alors, pour le dernier Rayman Legend, on n'a pas eu d'autres. Et donc, je trouve que pour ma part, le meilleur pour l'instant, ce que j'ai pu faire, c'était Rayman 2. On a eu les Splinter Cell fait par Ubisoft qui était très 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 bon jeu. Pourtant, c'est faisable. L'espionnage. On n'a pas eu de nouvel opus depuis la 360. Donc, depuis. Je crois que c'était depuis. Splinter Cell. Non. Blacklist, il me semble. Donc, c'est vraiment déjà longtemps. C'était sur PS3. Prince of Persia. D'ailleurs, il y a un nouveau Prince of Persia qui va sortir. Bon, je sais pas ce que ça va être, mais depuis le Prince of Persia sur PlayStation 3 qui devait relancer la licence Prince of Persia, il n'y a rien eu d'autre. Alors que pourtant, on est sorti d'une trilogie magistrale sur PlayStation 2 avec Prince of Persia, les sables du temps, l'âme du guerrier, les deux royaumes qui étaient génial, comme on n'en peut plus. Les oublier aussi que qui était sorti sur PlayStation 3, il me semble. Je n'ai jamais fait, mais que je dois avoir, je crois. Oui, je l'ai en plus avec l'autre Prince of Persia, donc ça sera fait un de ces quatre en let's play. Mais voilà, donc c'est dommage parce qu'il y avait quand même un gros truc sur cette licence-là.
Prince of Persia devait relancer la Prince of Persia de PS3, je parle bien. L'opus spécial PS3, hormis les sables mutants, les sables mouillés, devait relancer l'intérêt de cette saga. Malheureusement, ça n'a pas trop fonctionné. Et c'est dommage parce que moi j'ai bien aimé. Alors après, il y a eu un petit revival, bien sûr, de Prince of Persia, c'était le remake du premier, donc celui qu'on est en train de voir, mis au goût du jour avec le prince de maintenant. Voilà. Donc je sais pas si ça a bien fonctionné, c'était sur les Xbox Live Arcade. Est-ce que ça a bien fonctionné ou pas, je n'en sais rien. Mais il se fait que depuis ce jour-là, on n'a pas eu d'autres de nouveau Prince of Persia. Et c'est vrai que c'est dommage parce que voilà, c'était une licence que j'aimais beaucoup. J'adore les Assassin's Creed, mais je trouve qu'il y en a eu. Oula, oh là, on avait des trucs qu'on n'aurait pas dû voir, je pense. Mais c'est vrai que voilà, j'adore les Assassin's Creed. Je les ai quasiment tous. Je les ai quasiment tous finis. Sauf le dernier que je suis en train de faire en cours. Qui est le Valhalla, j'ai pas le mirage parce que tant que j'ai pas fini Valhalla, mais j'ai pas envie de lancer le mirage. Je sais pas si un jour je finirai Valhalla parce que vu qu'on j'avance comme une tortue, c'est très compliqué. Mais voilà, donc actuellement ils ont plus que cette licence-là, plus les Rainbow Six peut-être, je crois, si je ne me trompe pas. Mais c'est dommage, il n'y a plus de licence assez phare comme les Splinter Cell qui étaient très bons, les Raymond qui étaient juste excellents. Et les prix aux personnes auxquelles tu te régalais à jouer dessus. Non, quoi. Donc c'est dommage. J'espère que ça va revenir. Comme j'ai dit, normalement, il devrait y avoir un nouveau prix aux personnes qui va sortir. À voir ce que ça va donner. À vous les studios! C'est pas juste. Mortal Kombat Trilogy. Un jeu de combat, tiens, d'ailleurs. Alors, c'était lequel? Ah, celle-ci, on a vu mon dos. Mortal Kombat 3. Nous relis, nous revoilons pour Mortal Kombat 5. Non, c'est trilogie. Trilogie, c'est pareil. Donc, j'ai marqué Mortal Kombat Trilogie, parce que je crois que c'est vraiment ça. Toi, On a là-bas, vu Mortal Kombat 3, marqué dessus, et l'autre il dit Mortal Kombat 5. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc Jérôme a pris la fille, Sonia. Ce qui est logique. Et il joue contre Sindel. Va-t-il gagner? Ça serait pas logique que je perde. Que je gagne. On découvre le jeu. C'est super. Ouais, je fais un quand même. Sérieux. Mortal Kombat qui est une Il fait la grosse, magie, grosse c'est licence de jeux massacré. vidéo maintenant. C'est ultra connu. Alors on est sur la NES et il faut rappeler qu'on avait Alors, vous que Mortal voyez, Kombat Jérôme avait est en un gros difficulté. problème au niveau de la censure. Parce que ça a été ultra. Bon, non, non, mais au départ, le jeu était Ouh, il vient de se ultra, faire massacrer. ultra censuré. Bah, moi, je suis Sonia. Par exemple, je sais que Mais sur la c'est terminé version pareil. NES, peut-être, et c'est pas Alors, Nintendo, moi, je c'est, suis je sais plus, Robert et elle est un on peu n'avait pas tout ce qui est gerbe de sang. Et il va te faire tomber, c'est ça. Ni même de Fatality. Sur Mega Drive, j'avais Une entendu danse. pourquoi on avait accès, mais je me rappelle plus la raison, je me rappelle plus comment ça s'est passé. Premier round, Jérôme a gagné. Mais je sais qu'il y C'est toujours avait le Mortal Kombat les fatalités là-dessus. Sur Mais je sais que par exemple, la Mega Drive n'avait pas eu de censure là-dessus. Non, Je crois qu'ils ont eu un passe-droit pour la Tout Mega à Drive. fait tirer. Parce que la Mega C'est Drive était considérée pour pas les. Mais, en fait, si je ne me trompe pas, si je me trompe pas, je vais peut-être dire une connerie. Il me semble serré. que la console Sega n'était La pas musique est considérée, surtout la lourde. Mega Drive, n'était pas considérée comme une console de jeux vidéo Et pour enfants. On quoi est faire plus faire dans le mode adolescent, voire adulte. Tandis que Nintendo, c'était beaucoup plus pour enfants. D'après ce que je me rappelle, je dis certainement une énorme connerie. Et il a gagné de bleu! La magnifique danse. C'était Mortal Kombat. Et la victoire bon, de c'était très Jérôme. court, attention, il n'y a rien à dire sur Mortal Kombat. Je veux dire, grosse licence de jeu ultra connu. Les Vikings, oh putain, on n'a pas dépassé pour Minou. Je n'ai rien compris à ce jeu. Cette fois-ci, on C'est, a pour changé moi, de console de jeu. Ce On est jeu, sur la Super Nintendo. Ce jeu qu'on va Avec faire le jeu là, Lost c'est Viking. une énigme totale. Je n'ai Rien à rien dire, Jérôme. compris à ce jeu. Si je ne me trompe pas, si je me trompe pas de jeu, je crois que c'est celui-là. Je n'ai absolument rien compris à ce qu'il fallait faire. Ben, c'est celui-là et je n'ai absolument rien compris. Un viking dans l'espace.
Je crois que d'ailleurs, en plus, c'est le dernier de la vidéo. Et Wikin qui n'a pas d'arbre. Ouais, c'est le dernier de cette vidéo et je n'ai rien compris à ce jeu. Et encore même maintenant, je suis sûr que j'y joue, je comprends rien. C'est quoi ce jeu? Viking dans l'espace, on aura tout vu. Notre Viking. Jérôme ne sait pas ce qu'il va faire. Et il est mort! Donc justement, mais j'ai pas compris. C'est quoi ce jeu? Pour moi, ce qui est génial, c'est qu'on voit les marques. On voit en fait, si vous voulez. La pierre tombale des ennemis qu'on tue et il marque grip dessus. C'est ce truc drôle dans ce jeu. Non, mais alors, lui il a un bouclier, tu vois, quoi, c'est Viking en fait. Oui. D'accord. Il a l'air nul à chier ce jeu. Ouais, j'ai toujours pas compris. Parce que je sais pas du tout où il faut aller. Donc c'est super. Ah, voilà. Voilà, j'ai trouvé mon exit. J'ai sorti. Game over. Laissez un commentaire. Je sais toujours pas si on a fini. Je sais toujours pas si on avait compris quelque chose ou pas. Hein? Voilà. Bah, je pense qu'on avait des explications, mais je suis Keith Lorraine, je rappelle en anglais. Bon, lui, il n'a pas marqué ça. Presse. Alors peut-être qu'il fallait éliminer certains ennemis bien spécifiques. Il faut peut-être avoir les trois personnages en vie. Je n'ai absolument rien compris. De la patience. Du calme. Est-ce que j'aurais réuni toutes ces qualités? Ah, sur ce jeu, oui. Mais sérieux, de ce que je dois faire. Voilà, c'était Lost Viking. Et c'était bien pourri. D'accord. Tire lui dessus. T'as un arc. Alors, faudra expliquer pourquoi Jérôme lève le bouclier chaque fois qu'on lui tire dessus. Et il va revenir au niveau. Oh non, s'arrête là, c'était vraiment pitoyable et pourri. J'ai toujours. À l'heure actuelle, j'ai toujours pas compris comment il dit. C'était Lost Viking. Je sais pas s'il y a des vidéos qui existent sur ce jeu, mais j'aimerais bien avoir. Peut-être avoir une pour avoir peut-être une explication sur ce qu'il fallait faire, parce que j'ai absolument rien compris. À la suite à la semaine prochaine, la vache, c'est au moment où c'est bien qu'elle va sortir la vidéo. Mais là, je serais incapable de dire. Bon, voilà notre page Dailymotion Mad City qui existe encore. Vous pouvez aller dessus, regarder toutes les vidéos. Vous hein. Sur le site, mon site, alors mon site ne doit plus fonctionner, je crois, ou développer. Je sais plus si c'était Overblog ou mon site qui était développé. A bientôt pour notre vidéo, je ne sais plus ça. Et je rappelle que cette musique est DMCA maintenant, elle est claim, c'est terminé, c'est pour ça que je parle par-dessus. Parce qu'elle est claim totale, c'est horrible. Mad City présente. Attends, bien là, attends. Ah, regardez, c'est génial, j'adorais le faire. La découverte de certains jeux. Attends, j'ai une musique comme ça, il y a moi, ok. Ah, seconde partie, d'accord, c'est la suite. Très bien. J'avais oublié que j'avais mis la suite. Lucky Luke sur Super Nintendo. C'était un programme, il me semble. C'était. Et on voit toujours l'ordinateur magnifique. Magnifique ordinateur qui date des années 40 maintenant. Sur Super Nintendo. Lucky Luke. Attends, j'ai parlé par-dessus, donc je sais plus ce que j'ai dit. Pour avoir ce rire démoniaque. Qu'est-ce qu'il a dit? Une vidéo direct live découverte. Et là, c'est Super Nintendo. Il faut savoir qu'on avait fait déjà les Asterix avant, il me semble.
Mais alors qu'ils me disent Astérix alors que c'est Lucky Luke, c'est magnifique ça. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Là, il faudrait juste que tu m'expliques pourquoi tu as dit Astérix au lieu de dire Lucky Luke. Ouais, c'était Lucky. C'est un beau jeu, mine de rien. Mais de toute façon, tous les jeux d'infogrames, on dira tous la même chose. Les jeux sont. Bang, bang, Lucky Luke. Ça ne parle à plus personne, ça. Donc, pour ça, c'est très respecté. Il tire n'importe où. Donc Jérôme ne sera jamais Lucky Luke. Jamais de la vie. J'avais joué à un jeu Lucky Luke sur PlayStation. Je ne rappelle plus le nom. Je vois la jaquette. Mais j'ai pas fini le jeu. Et puis je crois qu'il connaît pas. Jérôme arrêtera de sauter. Voilà. D'accord. Ah c'est. Oh là 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 là, tu devrais vraiment être jeune. Julie Jumper, on le reconnaît bien. Oh il y a. J'ai dit Rintin Plein, mais non, c'est pas un cheval. Rintin Plein qui se transforme en cheval. Ah mais bravo. Voilà. Julie Jumper. Qui a donné un coup de. Ah, là, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Tu passes sur le truc. Ça, l'autre, il faut que tu sautes, t'envoies un truc. Et bon, un truc à faire. Là-haut, mais là, truc, il faut que tu tires. Ouais, je viens de tomber dans un truc. Tire sur la mode de paille là-haut. Ah, faut que je parte dans l'autre sens. Dessus. Voilà, donc voilà, ouais, faut le trouver ça quand même. Enfoiré, va. Là, je pense qu'il doit avoir des ennemis en hauteur parce que je vis en hauteur. Donc. Ah, c'était en français. Le jeu était traduit en français, d'accord. Je me rappelle même pas, tu vois. Vous avez du courrier, monsieur. Merci, mon brave. Ouf. J'avais trouvé ça aussi qu'on peut rebondir sur la tête des méchants. Tu avances jusqu'au début. Monsieur intelligent. Eh ben, je sais pas. Ah, tu es ridicule d'écrire comme ça. Tu es ridicule, mon ami. On peut voir, Lucky ne tue personne, bien entendu, il tire dans les arbres. C'est beaucoup plus simple. Donc, en fait, le but, si j'ai bien compris, hein, je dois trouver de la dynamite pour faire péter le puits, pour pouvoir rentrer dans le puits et empêcher que les bandits attaquent la banque. Si je me rappelle bien de ce passage-là. Vous pouvez voir déjà, c'est très compliqué. Donc vous voyez là-haut, il y a les dynamites. Il y a trois dynamites. T'as vu? Peut-être. J'ai pas vraiment pas vu. Appuyez sur les boutons. Ah, faut savoir qu'on est sur la version Super Nintendo du jeu. Et que du coup, on passe de
4 touches avec les touches directionnelles plus start select non, mais et sur les à 4 et 2, 6 à 8 touches en comptant select et start et bien sûr les touches les fesses directionnelles. Donc c'était un peu compliqué de savoir sur quel bouton il fallait appuyer, sachant qu'on est sur oui, donc c'est un peu plus long. Puis il y a un apprentissage mine de rien, donc tu vois, tu essayes de tester toutes les touches pour savoir laquelle est la bonne sans savoir vraiment ce qu'il faut faire. Au revoir GG. Game over. Donc en fait ce que j'ai essayé, j'essayais pas de me suicider bien entendu, c'était de remonter en Nintendo Super en servant du saut. Ah Super Mario, on est obligé de passer sur les Super Mario. On s'était dit est-ce qu'on fait les Super Mario ou pas, parce que les Super Mario étaient des jeux très connus. On s'est dit non, on est obligé de terminer mine de rien. Tu peux pas faire du Nintendo sans faire du Mario. C'est comme si tu faisais du Sega sans Sonic. C'est pour moi c'était impensable de pas finir sur du Mario. Non, je ne parle pas de Jérôme, je parle de Super Mario. C'est Jérôme, bien entendu. Après avoir fait des vidéos sur Spyro, j'avais fait deux vidéos sur les LoLdies de Nintendo, alors que LoL derrière enchaîné sur 5 vidéos, grosses vidéos en plus, de Mega Drive. Donc là, c'est le premier Super Mario Bros. On est sur Super Mario All-Star. Donc c'était déjà des remastered, hein. Attention, je vais pas dire remastered, on va dire plutôt des remakes des premières versions. Hein. Et on est en 92. Hein. Regarde, et mine de rien, je trouve encore, même aujourd'hui en 2003, je trouve encore très beau le jeu. Moi, on me propose un jeu comme ça, je l'ai en plus en version. J'ai le jeu, alors je peux pas y accéder de là, parce que sinon je fais tout tomber, mais un jour où je pourrais y accéder, je vous montrerai. J'ai la cartouche de ce jeu. Je sais pas, Daisy ou Peach. Ah, c'était Peach. Et t'as raté le champignon. C'est vrai. C'est vrai que normalement, je voulais déjà finir un niveau depuis une belle durée. Moi, je suis pas le joueur qui va finir le jeu en une minute. Hein. C'est plutôt celui qui va mourir à la fin de ce match. Bon, elle a fait le niveau. It's me, Mario! Et d'ailleurs, si vous êtes fan des Mario, je vous conseille vraiment de regarder le film Super Mario Bros. Pas le film, attention, mais l'animé, l'animation, le dessin animé fait par Illumination de Super Mario Bros, qui est vraiment excellent, je trouve. Tous ceux qui ont connu les Mario, connaissent les Mario, ont au moins joué une fois dans leur vie à ce jeu-là. Le fameux niveau avec le passage secret pour skipper la moitié du jeu. Et toujours pas le champignon. Comment arrêter la Warp Zone, surtout ? Eh, parce que sans le champignon, je peux pas avoir la Warp Zone. Mais je peux pas l'avoir de suite à Warzone, je peux l'avoir plus loin, mais ça serait compliqué de l'avoir. Voilà, de toute façon j'ai mourir à un moment donné, je me rappelle. On avait fait un petit bêtisier, enfin là on a fait un petit bêtisier best-of sur mes morts sur Super Mario alors que c'est le jeu le plus simple. C'est un des niveaux les plus simples avec de ce jeu. Voilà, on va voir encore une deuxième fois. Et il se fout de ma gueule quand même. Et hop, la joueur meurt. Il se fout quand même de ma gueule. Deux fois deux. Il n'y aura pas trois. Parce qu'il y aura en troisième. C'est plus simple. Ouais, c'est bon, j'ai essayé.
Je m'entête à passer par là, alors qu'en fait, il y a une autre solution pour la Warzone. Qui est un peu plus loin d'un niveau. Mais on peut, qui me permet aussi d'avoir la Warzone. Mais là, je préfère passer là, c'est sûr. C'est pas un bug, hein. C'était chercher le bout. Il fallait vraiment le trouver. Il fallait le trouver quand même, ce glitch. Non, mais c'est pas vrai. Il faut vraiment le trouver, le trou. Ouais, il fallait trouver le trou aussi. Voilà, c'était Super Mario. Alors on va se trouver tout de suite pour le second. L'original, le vrai. Ah, tout de suite. Ah oui, du coup, on enchaîne sur Zost Devel, ouais. Lost Level qui est normalement le vrai deuxième opus de Super Mario Bros. Mais l'histoire est, et je crois que je le dis dans la vidéo, c'est qu'en fait il était trop calqué sur le premier. Et il était trop difficile aussi. Il est calqué sur le premier, c'est la même chose que le premier opus. C'est la première étape Super Mario Bros 2, qui s'appelle Super Mario Bros Next Level. C'était Lost Level. Pourquoi Next Level? Parce que c'est le premier jeu qui a été refait. C'est le premier Mario Bros qui est refait. Façon beaucoup plus difficile. Donc nous on l'a jamais eu en France, mais c'était ressorti dans le pack Super Mario Bros Super Mario All Stars. Ouais, on l'a jamais eu en France parce que nous on avait des jeux qui venaient directement des versions américaines. Et en Amérique, ils ne voulaient pas ce second opus, donc ce Lost Level. Puisque c'était trop copier-coller vraiment au premier opus, c'est vraiment la même chose, c'est vraiment le même gameplay, c'est vraiment quasiment le même graphisme, c'est exactement la même chose, sauf que la difficulté, comme on vient de le voir, est vachement beaucoup plus élevée, et j'en ai eu l'expérience que j'avais bien avancé dans le jeu, mais c'était trop dur, au bout d'un moment, j'ai pas pu. Puis, de toute façon, au bout d'un moment, c'est vrai que même quand on regarde des vidéos, t'as des niveaux, tu te dis comment tu les passes, c'est pas possible. Et en fait, pour les États-Unis, vu qu'ils voulaient quand même un second Super Mario, et on a eu la version de Super Mario Bros. 2, qui est une adaptation d'un autre jeu qui s'appelle Doki Panic, du coup, mais qui ont remplacé les personnages par le personnage principal par les personnages de Mario, donc Mario, Peach, Toad et Luigi, qui sont piégés dans le monde des rêves. Et ça, tout le monde connaît bien sûr cette histoire. Si je finis pas au premier niveau. Mais voilà, c'est vrai que nous, on n'a pas eu la vraie version de Super Mario Bros. 2. On l'a eu grâce à cette compile, du coup, des remastered, on va dire ça comme ça, de Super Mario. Grâce à Super Mario Star. Il faudra pas faire la même erreur deux Ouais, même le deuxième niveau est quasiment calqué sur le deuxième niveau du premier jeu, donc c'était vraiment assez spécifique, hein, ce Lost Level, parce que ouais, c'est quasiment tout, mais en plus dur, quoi. Ah, mais c'est pas une arnaque, ça. Non, non. Épargner le désastre. Alors, bon, on a l'air de bien avancer. Je mettais à jour mon téléphone. Là, je le jure, c'est la première fois que j'essaie de finir ce niveau entièrement. Ça prouve combien il est mauvais à Mario. Là, ça prouve que le jeu il est hyper difficile. Non, mais ça, c'est pas du jeu. Ça. J'ai pas réussi à avoir le Warzone. Et voilà, c'était le deuxième niveau de
gamin. Mais ça m'a rattrapé par rapport au premier jeu. Je rappelle que la première, le premier Mario n'est pas, n'a pas réussi à atteindre le 1-3. Pour le troisième Super Mario Bros. Qu'est-ce que j'ai? Allumer la caméra. No, Valo Pou. C'est me, Mario. Mario 3. Donc, troisième aventure, les aventures de Mario. Faut rappeler que les trois premiers Mario étaient sortis sur NES. Là, c'était vraiment, on avait le jeu avait, les jeux avaient été remis vraiment au goût du jour avec les capacités de la Super Nintendo. Logique. Bon, il n'a pas fait du coup Super Bros. C'est le pouvoir de Tanuki. T'es mauvais. Mais non, c'est parce que je suis pas doué. Parce que là, il est. Honnêtement, c'est celui que j'aime le moins. Pourquoi je sais, je crois pas le dire. Mais les trois Mario Bros, c'est celui que j'aime le plus. Plus direct que les deux autres vidéos. C'est con, hein. Plus direct, parce que je découvre un petit peu le jeu avec ta copine. On va faire quelques niveaux. Ah, peut-être le fait qu'on ait une map, tout ça. C'est vraiment celui auquel je prends peut-être moins de plaisir à jouer. Je connais pas des masses des jeux. Et j'ai joué, bien sûr, parce que j'avais bien avancé. Ah, je crois même que j'avais fait une vidéo, je sais plus si c'était sur YouTube ou sur DM. Oui, je vais préciser, il faut toujours sur Super Mario All-Star. Donc moi j'ai joué sur Nintendo première du nom où il était aussi joli, d'ailleurs. Ah après question de beauté, il est quand même très beau le jeu. Attention, avec ma grande sœur. Oh, dégoûté. Et j'étais pas aussi mauvais que GG même quand j'étais petit. Ça n'a toujours pas changé. Fait, pas si nul que moi, ça dépend des jeux. Si tu gardes ton champignon jusqu'à la fin, on verra. Donc là, on dézoome, il dézoome totalement, on voit plus rien. On voit que déjà le temps a passé. J'ai déjà nuit noire dans la chambre. C'est déjà nuit, c'est horrible. Allô, je sais pas. Non, on sent que la luminosité par rapport au début de la vidéo. Il a une étoile et un champignon qu'il n'utilise pas. Est-ce qu'on peut les utiliser? Non, tu crois? Et désolé, j'ai fait mon tiroir, ça peut être bizarre. Et je sais qu'à la fin, ça me permet de gagner. Donc c'est bien. Wouhouhou! De ce niveau-là. Alors, on peut croire que je blague en disant que je ne savais pas. Non, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser ces... qu'on pouvait utiliser les trucs qu'on venait d'avoir. C'était pas du tout une conne. Toujours le pouvoir de Tanuki, c'était le... En fait, c'était la nouveauté du jeu, c'était vraiment ce pouvoir-là. C'est le pouvoir de, enfin, dire de la plante, de la plante, c'est le pouvoir de Tanuki qui nous permettait non seulement de tuer nos ennemis à coup de queue, mais aussi de pouvoir voler quand on prenait quand on courait avec, avec des... deux champignons et j'ai une vie. Pas mal, ne vous pas trop mal. Allez, on continue. Et du monde aussi, tu m'en vois. Vous voyez, autre nouveau. On a une marque. C'est peut-être ça qui m'a reproduit, je pense. C'est peut-être la Batmombe. Parce que je, pour moi, Mario avec une map, c'était pas, c'était un peu bizarre. Encore une fois, c'est que mon point de vue, c'est celui qui aime le moins des trois qu'on a pu faire. Bon, même des quatre avec le Super Mario Bros. 2 version États-Unis, version américaine, mais voilà, c'est assez compliqué. Je ne saurais pas pourquoi dire, je sais pas comme je pourrais pas expliquer pourquoi mon préféré de tous les Mario pour l'instant. Les Mario 3D, c'est Super Mario Galaxy. Premier jeu. Le deuxième, ça passe. Je crois que je sais pas si je l'ai le deuxième. Non, je les ai même plus. Je les ai même plus sur la Wii. Je les avais. Je les ai plus.
Mais j'ai le 3D All-Star. C'était magnifique. On a loupé une mort. Voilà, loupé une mort. Le 4ème niveau. Mais j'ai la version 3D All-Star, donc du coup avec Super Mario 64, hein, Sunshine et Mario Galaxy que j'ai relancé il y a quelques jours et que je me raconte toujours autant à jouer. Ah oui, d'accord. Oh, ce fail total. Bon, voilà, c'était le 4ème niveau. On va la honte à Jérôme. Ah, il fallait arrêter avant. Super il fallait arrêter avant, parce qu'une mort comme ça. On va voir s'il va gagner. D'accord. Voilà, c'est un petit bonus pour gagner des vues. À vous les studios. J'ai bien compris, il fallait avoir la même image partout. Ah, les morts dans ce jeu. Petit bonus. On les a tous vus déjà, mais c'est vrai que j'ai fait un petit best-of de meilleurs morts. Non, je m'en sors pas, je m'en sors pas. Mais t'es quand même pris la tête à essayer de faire ça. Essayer de faire ça. Non, ça c'est pas bien ça. C'est quoi, c'est un boss? Ouais, c'est la nuit. Ah, c'est un. Mais c'est pas. Et voilà, game over. Rien de difficile. Ah. C'est pas vrai. C'était pas doué, hein, on le voit. Bon, je pense que si Jérôme repère toutes ses vies. Ah non, c'est pas possible. On arrêtera le massacre. Je vous dis, là, ils sont redescendus. Au revoir. Et toi? Au revoir. Ouais, on se quitte, on se fait. Ouais, cette mort était pas mal aussi. Ah, ouh, c'est la mort. Game over. Bon. Voilà, vous avez vu la mort indienne. Au moins, dans Batman 3, il n'expose pas Batman quand il meurt. Game over. Voilà, une magnifique game over de la part de Jérôme. Pour percer à premier du nom. Sur la Nintendo. Voilà, j'ai pas d'arme. Voilà. Et voilà Jérôme qui vient de faire tes. Je crois qu'avec presse au perso, tu peux faire juste un bêtisier. Rien qu'avec ça. Voilà. Pas de continue. Et Jérôme a mis 60 secondes pour mourir. C'est exact. Mais c'est pas possible. Et voilà, encore Jérôme qui perd. Normalement, si je me fais toucher ou si je tombe trop haut. Non! Et vous voyez aussi, c'était rempli de pierres. Au revoir, Jérôme. Et... Pourtant, c'est faisable, mais. Il saute! Caramel! Ce sera sûr, mad. Kiki! Mais non! C'est fake, hein. c'est horrible. Merci à 1 et on finit sur un magnifique game. Vous voyez la magnifique danse? Bon, ben voilà, c'était. C'était. C'est super. Ah, d'accord. Laissez un commentaire. Vous pouvez toujours laisser un commentaire si jamais vous avez compris quelque chose, hein, sur ce Lost Viking, bien entendu. Et revenir au niveau. Bon, on s'arrête là, c'était vraiment pitoyable et poué. Et cette fois-ci, on va commencer par la vraie vidéo qu'on voulait faire. C'était Lost Viking. Alors attendez, j'ai un problème de zoom. Voilà. Jolie jumper. Qui a donné un coup de sabot à Lucky GG. Bon, on va essayer de vous montrer le niveau et je vais. Au revoir, GG. Game over. Ouais. Vous avez vu le game over sur lui. Qui lui manquait avoir besoin, je suis limité. C'est magnifique, c'est mort quand même. Franchement, mais j'aurais fait volontairement, j'aurais pas eu mieux comme mort. Plus. Et c'est vrai. Non, mais c'est pas vrai. Et ça aussi, il faut vraiment le trouver. Non. On peut le dire, il est mauvais. Mais j'ai toujours été mauvais. Non.
ça n'a pas changé, je suis toujours aussi mauvais. Non, non. C'est juste que maintenant, mon skill a changé aussi. Hein. Je joue un peu mieux. Ouais. Tout en étant mauvais. Mais maintenant, il y a plus mauvais que moi. Et tout, alors là, bientôt des jours 10 sur la Mega Drive. J'avais déjà teasé le truc. J'avais déjà teasé le truc avant. Avant qu'on fasse. Avant qu'on le fasse, je sais plus si on avait fait. Peut-être qu'on avait fait le même jour ou. Je crois pas qu'on ait fait le même jour. Disons qu'on l'avait fait quelques semaines après. Parce que, pour rappel, il habitait à 10 km de chez moi, donc vraiment 15 minutes avec un max une heure pendant le trajet en commun. Maintenant, c'était très facile à ce moment-là de pouvoir se trouver. On se retrouvait quasiment une fois par mois pour essayer de tourner le plus de vidéos possible. Que je puisse faire les vidéos facilement comme un peu fait peut-être le game avec. Logan avec patate. Spring habite tous les deux, je crois, 10 minutes ou une demi-heure de trajet et se retrouve un dimanche pour enregistrer toutes leurs vidéos. Moi, ce qu'on faisait, c'était pareil. J'apportais la console pour jouer, on enregistrait, on se faisait kiffer. Je passais 2-3 jours là-bas et je revenais et j'avais au moins bien un mois de vidéos d'avance quoi, pour le poster. Une fois par semaine ou une fois tous les deux fois par semaine, je sais plus. Alors, je sais plus du tout ce que c'est la vidéo qu'on va regarder. Gaming Live 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est la surprise. Ah oui, la version démo. La version Mega Drive et la version démo de Sonic Génération que je n'ai jamais fait sur cette console. C'est mon plus grand regret. Et j'espère pouvoir un jour le trouver pour pouvoir le faire. On a fait Mario, on avait presque Batman. On a fait Batman. Maintenant on a fait sur Mega Drive, premier du. Ah j'adore. Aux autres vidéos qu'on a créées que nous on vient de citer. C'est pas une vidéo découverte, tout simplement parce que tout est très bien ce jeu. Et surtout moi. J'étais en tant que gosse, j'étais un grand fan, et je suis toujours d'ailleurs, de Sonic the Hedgehog sur Mega Drive et Sonic 2 aussi. Et je suis un énorme fan. Soit tout à l'heure, soit plus tard dans la semaine, je ferai une petite vidéo de Sonic, de la démo de Sonic Compilation qui reprend exactement le premier niveau, donc ce niveau que je fais. Comme ça, vous pouvez voir la comparaison. Ah, c'était vraiment phare, ouais. Je voulais qu'on fasse vraiment la comparaison entre la démo de Sonic Generation qui reprenait d'ailleurs ce premier niveau sur les deux formats, je crois, 2D et 3D, avec la version, la véritable version Mega Drive. Voilà. Merci Lolo. Bon, a priori, il a l'air meilleur sur Sonic que sur Mario. On va dire que j'ai plus d'expérience. C'est cette musique, cette musique. En même temps que la Mega Drive, c'est la version Mega Drive. Il y a eu une version, mais Master System. Ouais, j'ai réussi à finir un niveau. Tout simplement, quand Sega a sorti cette nouvelle console, il s'est cherché une. Et toi, tu connais un peu les jeux Sega? Ouais. Tu sais quelle était la première mascotte? C'était pas Golden Boy ou un truc du genre? Wonder Boy. C'était Alex Kidd. Alex. Alex Kidd. Alex Kidd et le château en sortant. Ils se sont rendu compte qu'en fait ça n'a pas du tout fonctionné. Même au contraire, ils n'ont pas du tout aimé. Qui d'ailleurs sera il y aura un let's play courant 2024 sur Alex Kidd et le château en sortant. Alors je sais pas si j'ai essayé de faire le jeu. Parce que j'ai compris. Mais il y aura un let's play en intégralité sur ce jeu. Toi t'as pas 10 ans mais tu joues aussi mal qu'un gamin de 10 ans. Ouais je peux le faire. Tout simplement parce que Sonic est un jeu indépendant. Les rares fois où l'on trouve Sonic est accompagné de Mario. Et il faut se rappeler que dans l'ancien temps, Sonic et Mario ils étaient en guerre. Exact. C'était vraiment la guerre. C'était la guerre des consoles un petit peu. Donc côté t'as le Sega, de côté t'as Nintendo, donc Mario pour Nintendo, Sega pour Sonic, c'était un peu la guerre de l'école derrière. Pas maintenant, parce qu'on va pas
T'avais vraiment des fanboys hein, d'un côté. T'avais des fanboys d'un côté de Sonic, t'avais d'autres fanboys j'ai moins connu ça, moi, parce que j'ai été vraiment début de cette génération. Parce que je suis né en tout début de cette génération-là. Moi, je suis né fin 89, donc du coup, c'était vraiment le début de la génération de la Mega Drive avec Sonic et compagnie. Donc, cette guéguerre, moi, je l'ai pas vraiment connue, parce que moi, j'ai connu des jeux vidéo, attention. J'avais 3-4 ans, parce que j'ai joué énormément, j'avais une Mega Drive jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, donc j'avais comme jeu, si je ne me trompe pas, je devais avoir les Golden Axe, j'avais Sonic, Mega Drive 1 et 2, j'avais joué au 3ème aussi, donc jusqu'à l'arrivée bien sûr de la PlayStation qui est arrivée en 95-96, donc du coup mon père a tout vendu, je suis dingue parce que j'aurais trop aimé avoir les versions console, rien que pour pouvoir jouer, parce que j'aurais pas pu faire de l'enregistrement dessus, mais juste pour pouvoir jouer à la version originale, ça aurait été juste un kiff. J'espère un jour pouvoir réaliser ce rêve, c'est très compliqué, mais j'espère pouvoir le réaliser. Et donc c'est vrai que c'était un peu, d'après ce que je sais, d'après ce que j'avais entendu, c'était un peu la guerre hein, d'un côté. J'avais le plombier moustachu et de l'autre côté, tu avais le hérisson magique. Et malheureusement, donc on est tous le résultat, le pompier moustachu a réussi à déboucher plus des vieilles que les hérissons à sauver la population des îles, malheureusement. Puisque du coup, ben, Sonic s'est totalement effondré en arrivant à 3D, même si maintenant il y a un petit peu de revival sur Sonic, avec les derniers Sonic qui sont sortis, qui sont plus format 2D et 3D. Mais Mario est passé par là avant, Mario a tout raflé pendant des années, et du coup c'est vrai que c'est très dur de retrouver du Sonic. Mais c'est vrai que ces gars surfent toujours sur la nostalgie de ces premiers Sonic, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont sorti la Sonic Mega Collection Plus que j'ai, avec les versions Mega Drive des jeux, plus les versions Game Gear, je crois. On a eu aussi des aventures sur Game Boy Advance, enfin bref, du moment où Sega n'éditait plus de console, enfin plus de console, Sonic s'est vendu aux enchères sur d'autres consoles, et le plus souvent on pouvait le retrouver chez Nintendo, donc bien sûr des opus Game Boy Advance, certains opus exclusifs sur la Wii, par exemple, avant bien sûr de se vendre sur la multi-machine, multi-support avec les autres Sonic. Parce qu'on a eu Sonic Echoes 4, on a eu Sonic Superstar là, qui vient juste de sortir il y a quelques temps. Et on a eu chez Nintendo aussi Sonic et Mario. Oui, mais c'est normal, on a changé de télé. À ce moment-là. On a même changé de télé, vous voyez, c'est beaucoup plus beau. C'est la suite du point essai qu'on a fait tout à l'heure. On va jouer à la démo de Sonic. Parce que là, on est sur PlayStation 3. C'est parti, mon kiki. Mad City. Vous voyez, ça se déroule en deux actes, donc en fait, le but de Sonic. Et j'aimerais vraiment me trouver ce. Faudrait peut-être que je me prenne sur internet, parce que je veux ce jeu. Je l'avais sur la 3DS. Et je me suis dérivé, attention, dessus. Mais il était vachement trop simple. Mais vachement. Tu le finissais bien. Je crois que sur la version DS, tu le terminais en 2-3 heures grand max. Et encore en ayant toutes les cases et bras. Là, vous voyez, ça. Alors c'est le premier niveau, c'est Green Zone, Green Zone League. Green League. Il ne faut pas se laisser quand il saute, quand il retombe. Sinon, le game est exactement le même. C'était pour fêter les 20 ans de la série, si je ne me trompe pas. Je crois qu'on était en 92-93 le premier jeu, donc je crois qu'on devait être en 2012-2013 à ce moment-là. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais j'ai lu sur la 3DS. Donc je m'étais régalé sur 3DS. Mais c'est le plus grand regret de la PlayStation 3, c'est de ne pas avoir eu ce jeu à sa sortie. Alors on l'aura, on le fera, je pense. Mais pas de suite, malheureusement. La musique est exactement la même sur la version. Drive. Écoutez la musique, ça on peut écouter. Aussi rapide, aussi facile à manier. Franchement, c'est un véritable plaisir de jouer à ce jeu. Les amis.
toujours les mêmes que sur la version Mega Drive. Mais cette fois-ci, il envoie des missiles. Côté scénario, on peut pas en parler parce que franchement, on n'en sait rien du tout. C'est que la version démo. Et c'est un véritable plaisir, franchement, c'est. Je crois que l'histoire, c'est un démon libéré par le Dr. Eggman, un Dr. Monique qui s'encage un peu l'histoire de Sonic pour pouvoir éliminer Sonic et récupérer les classements. Je crois que c'est ça un peu l'histoire, il me semble. C'est basique. On connaît pas Sonic encore. Comme. Mais c'est un pour ça que le jeu est sorti. Ouais, c'était pour fêter les 20 ans de Sonic. Comme un peu à la mode Tomb Raider qui a vu son Tomb Raider anniversaire pour fêter ses 15 ans. Et bien Sonic a eu droit à son propre jeu génération avec pour fêter ses 20 ans. Parce qu'il a le Sonic. Sonic est Edgod. La musique, moi je suis toujours en plein kiff sur cette musique. Pour moi c'est la meilleure. C'est la meilleure musique de Sonic, c'est celle-là, c'est Gainz. Gain in the Zone. Ils ont pas fini. Pour moi ils ont pas fini. Les caisses. Je suis pas objectif. C'est vraiment du bonheur. Je crois que je dois toujours la voir sur. Je dois toujours avoir cette démo sur ma PS3. Alors je sais que j'ai la version Mega Drive de Sonic 1 et 2 sur PlayStation 3. Qu'on ne fera pas parce qu'on le fera directement sur Sonic. Sonic Origin Plus. Ce bonus là. On l'a pas vu. Mais ouais, non, j'ai très très hâte pour montrer un de ces quatre, ces opus là de Mega Drive. Ouais, qui est casse-couille aussi. Ah, 2011. On était en 2011, les gars. Ça a 12 ans. Cette vidéo elle a plus de 12 ans. Oui, mais bon, je pense. Voilà, on l'a fait juste après. Je me rappelle plus. Je crois qu'on l'a fait entre 2011 et 2012. Donc elle est entre 11 et 10 ans. Entre 10 et 11 ans. Bah, ça, c'est par contre le Sonic version des temps modernes à ce moment-là. Ouais, je maîtrisais pas trop cette version là du jeu. Dans les versions, oui, comme je disais tout à l'heure, avec je crois que c'était c'est Lost Chevalier et c'est Secret of Swing. Comme vous avez pu le voir, le touche rond permet de faire des missiles, donc de passer dans des endroits très difficiles. Il y a un jeu spin-off de Sonic que j'adore beaucoup, que j'adorais, c'était Shadow, voilà. C'est Scotch. Et j'adorais vraiment ce jeu. C'est dommage qu'il a moyennement marché, il était sorti sur PlayStation 2, et franchement, moi je m'éclatais dessus. Et c'était un peu dans le même style que ce Sonic là. Mais... C'était un vrai régal, et comme je dis, c'est mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir mis sur PlayStation 3. J'espère pouvoir rattraper cette erreur.
Ça va vite en tout cas. Bah, je crois que j'avais foiré mon coup. C'est dommage qu'on ne voit pas grand chose vraiment à l'écran, c'est un peu dommage, je trouve. C'est dommage, j'ai vachement compris ça. Si tu dis que c'est un peu plat, c'est le live est un peu plat et tout ça, je peux comprendre, attention. Je peux comprendre parce que c'est vrai que je n'y dis pas grand chose. Parce que je regarde surtout les vidéos. Et j'essaie de vous montrer un petit peu ce que je faisais avant. Mais du coup, il y a peut-être un mot que je comprends pas. Et salut à toi, Rasta Albatros, si j'ai bien dit. Hello à toi. Sois le bienvenu. Alors, on, voilà, on regarde d'anciennes vidéos, on essaie de réagir un petit peu dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est vraiment des très très vieilles vidéos. La fin n'a plus aucun rapport maintenant. Je tiens juste à préciser. C'est vraiment des très très vieilles vidéos que j'ai postées et repostées plutôt. C'est vrai qu'il y a du monde qui regarde, mais une connexion des films de cinéma. Pourquoi tu me parles maintenant? J'ai eu un bug de vidéo quoi. On les enchaîne. Je me rappelle plus ce qu'il y a. Ah, attends. Ouais, ok. Donc celle-là, hop, je peux la skipper parce que c'était celle que j'ai mise il n'y a pas si longtemps. On va la skipper. Heureusement que j'en ai mis un autre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Par lequel je vais pouvoir commencer? Non, vous savez quoi? On va mettre le week-end spécial chez Lolo. Celle-là, je ne me montre pas. Quoique si, je peux me montrer. Allez. Si, on montre. C'est des petites vidéos qui sont très courtes. Juste pour vous expliquer pourquoi elles sont courtes. J'ai eu un gros problème de... pour pouvoir récupérer ces vidéos-là. Et du coup, quand je les ai postées, je me suis rendu compte trop tard qu'en fait, elles étaient trop courtes. Alors que sur mon ordinateur, je les ai en intégralité. Ce qui est con. Mais là, celles-là, je les ai... celles-là, elles sont courtes. Donc, c'est un peu dommage. Je crois que j'avais déjà mis sur YouTube. C'est pas grave. Alors le son est bas. Je tiens à rappeler, le son est bas. Parce que tout simplement, c'était le micro de ma webcam. De mon premier ordinateur. Alors je parle par-dessus, hein, parce que je pense savoir ce que je dis. Je raconte un peu le jeu. Ce qu'on va faire de ça. Je pense que c'était American Maggie Alice. Je sais plus si j'ai fait un let's play sur l'American Maggie Alice ou si j'avais commencé directement sur Alice Madness, c'est-à-dire Alice au Tropic des Filles. Un jeu que j'aimerais aussi récupérer parce que je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus dans ma collection et c'est dommage. Parce que c'est un jeu auquel je m'éclaterais peut-être à refaire maintenant avec peut-être une nouvelle façon de pouvoir capturer avec le logiciel de capture, le micro, la voix. Peut-être que maintenant, meilleure qualité, je pense que ça serait beaucoup mieux. Mais je n'ai plus le jeu. Malheureusement, je l'ai plus. Donc c'est un peu dommage. Et je crois qu'en plus c'est ça, je crois que je montre le American Maggie Alice. J'ai un gros doute hein, parce que j'ai... Non, c'est ça. C'est vraiment l'American Maggie Alice, jeu que j'ai qui est très bien. Une vidéo
détesté jouer. C'est que c'est une vidéo pour c'est sur le jeu pour les 16 et plus. Donc attention, il y aura des il faut savoir que le premier opus, il y a eu deux opus, c'est malheureux. Il y a eu deux opus sur Alice au pays des merveilles en termes de jeux vidéo, American Magi Alice et Alice Madness, qui sont très très bons. Ils sont très très bons jeux. Je me suis éclaté, je le redis toujours. C'est un des mes meilleurs jeux, je trouve, que j'ai pu faire sur PlayStation 3. Je me suis éclaté à le faire. La bande-annonce m'avait fait flipper ma race. Et pourtant, moi, il m'en faut. C'était d'abord une cérémonie prévue sur PC. Il ne faut pas grand-chose. Tout dépend des jeux. Mais la bande-annonce, elle me faisait peur. Elle me faisait peur. Et j'hésitais vraiment à la mettre sur YouTube, la bande-annonce. Parce que je me suis dit, sur YouTube, sur mon site, parce que je me suis dit... La patronne, elle fait peur quoi, elle fait vraiment elle fait très peur. Mais elle m'a attiré, la patronne m'avait attiré sur ce jeu que je ne connaissais pas. American Magi, je ne connaissais pas du tout, je n'avais pas de PC. Et du coup, je me suis lancé encore perdu dans ce jeu, je me disais, attends, on va pas voir ce que c'est. Alors. Là, le petit truc que je viens de prendre, c'est un. Je le redis encore une fois. La part bleue, c'est la part de magie. Pour l'instant, ça ne sert pas. Et je l'ai dit, je crois, tout le long de ce let's play, c'était l'un des tout premiers let's play à sortir sur la chaîne Mad City avec Quantum of Solace, si je me trompe pas, je crois que c'était le premier à sortir, c'était celui-là. J'avais beaucoup, beaucoup aimé ce jeu. J'ai aimé l'ambiance. Graphiquement, pour un jeu de 2003, ça allait. Par contre, et ce qu'on va voir plus tard, je crois, dans la vidéo, ce que j'ai détesté, c'est sa maniabilité. Ouais, les cartes qui veulent me tuer. Là encore, ça va, c'est le début du jeu, je le répète. C'est assez facile. Pour moi, il y a d'énormes défauts par rapport à la version PC. Je suis désolé, j'ai vraiment bien aimé ce jeu. Mais il y a des trucs qui ne passent pas. Donc la première quête que je dois faire, c'est retrouver le lapin que vous avez vu qui a disparu dans le petit trou de souris. Pour moi, cette adaptation était bonne. Mais il y a eu un gros point noir qui pour moi m'a fait péter les câbles sur ce jeu. Ça m'a mis. C'est un jeu d'action plateforme, pure plateforme. Voilà, on va être entrecoupé par les conseils du chat. C'est le chat de. Je sais pas quoi, j'en ai plus. Voilà, donc en bas, le truc vert du gant, c'est vrai que ça fait un peu moins, je me vois, c'est l'acide, je t'en parle. C'est l'acide. Je me rappelle même plus par contre. Il y a tout, je me rappelle pas. C'est pas une énigme, c'est juste une petite difficulté. Il faut arriver à monter là-dessus. Alors, la première fois que j'ai galéré comme un malade, j'ai jamais compris. J'ai pas réussi à comprendre. Pourquoi j'ai fait tout simplement parce que c'est désastreux. Là, j'ai réussi du premier coup, c'est normal. J'ai eu quelques heures. Je suis pas content. Ça n'arrive pas à changer. Le gameplay est totalement. Mais j'ai dit. C'est en fait pour être pas expliqué, je sais plus si j'ai fait un let's play sur ce jeu. Je crois que j'avais pas fait de let's play sur ce jeu, j'étais passé directement sur Alice Madness. Voilà. Ils n'ont pas fait une maniabilité pour pouvoir jouer sur console, et c'est dommage. Vous avez vu, ça a coupé. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait je me suis pas rendu compte que la vidéo était pas assez lourde. Quand j'avais téléchargé, j'ai téléchargé que 30 mégaoctets. Mégabits, je sais pas comment on dit. Sur 180 à la base. Alors que sur mon ordinateur, la vidéo est entière. Donc là, je rappelle, on n'est pas dans ma chambre, on est dans mon salon.
avec ce cadrage magnifique. Celui-là, Alice, retour au pays de la folie. Très beau jeu. Franchement, moi, j'ai aimé. Ah, et par contre, c'est vrai que moi, je me suis vraiment éclaté hein, sur. Sur Alice Madness. Je l'avoue, Alice Madness, je me suis vraiment éclaté dessus. C'est vraiment un très très bon jeu. Je crois que j'ai fait tout un esprit dessus. Je sais plus si j'étais arrivé jusqu'au bout. Parce que c'était un des tout premiers esprits. Voilà, donc maintenant on se retrouve pour. Ah, mais je crois, oui, ça je l'avais déjà montré. Celle-là, je l'avais déjà montré. Et heureusement, dans les 101, j'ai pu retrouver deux. Ouais, il me semble. Oui. Oui, je l'avais déjà montré. Celle-là, je me rappelle. C'était celle-là, si je me rappelle bien. Non, eh ben non, c'est. Non, elle est exactement sur YouTube. Ouais, donc du coup, j'ai remis celle-là, mais bon, ça sert à pas grand-chose. J'ai essayé remise. Mais ça sert à rien. Donc, on va pas regarder celle-là parce qu'elle est intégrée directement dans là. Donc, vous pouvez voir 7 minutes 45, 50 minutes 44. Donc, on est encore là pendant une boule. La vache. Molto bene. Molto bene. Attends, je suis obligé de monter le son parce que je n'entends pas ce que je dis. Ta gueule. C'est horrible. Je ne m'entends pas. Mais en fait, c'est ma caméra. Hein. Alors juste, je laisse comme ça. Bienvenue. Donc, cette partie, une des vidéos, je vais vous montrer une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo qu'on a fait avec vous il y a un petit moment de ça. Chez lui. Donc, le dernier week-end de mois. Alors là, pour juste expliquer le cadrage, je vous explique le cadrage. Là, vous pouvez le voir, le cadrage fait que vous me voyez de côté et on voit le mur qui est là, et juste à côté, c'est la fenêtre de ma chambre. Donc je suis sur mon lit. Là, le cadrage que je fais, c'est qu'en fait, j'ai placé mon PC en face de moi, puisque derrière, j'avais quand même un décor assez génial que je n'ai plus maintenant. Malheureusement, parce que toute la peinture, comme vous pouvez voir, je crois qu'elle avait été déjà refaite. Non, elle n'avait pas encore été refaite. Donc du coup, c'est pas la même peinture que j'ai. De toute façon, on peut pas le voir, j'ai une image dégueulasse. Mais derrière, j'avais quand même beaucoup, beaucoup de posters de certaines séries. Donc là, on peut voir Stargate Universe. C'est ce truc que j'arrive à reconnaître. C'est marqué SGU. Il y a marqué ça, j'arrive à reconnaître. Je crois qu'on a vu du Chuck quelque part. On a vu du Supernatural. Enfin, j'avais tapissé mon mur derrière moi de série grâce au magazine que LOL m'avait prêté, m'avait donné, pardon, avec les affiches qu'il y avait dedans. Donc on avait pas mal de séries. Par contre, j'ai un problème particulier. Vous savez, vous pouvez avoir des démos de ce qu'on a fait, plus des découvertes de Oldies, de Lolo sur les jeux de Sega. Ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est un travail. Deux interviews de nous, on se pose même des questions. Voilà, donc la première partie sera sur la 3DS. Puis ensuite, ça sera directement, on passera directement au jeu de Oddbiz. Et on aura un spectacle. Voilà, ça va, c'est cool. Semaine, je sais pas combien. Hein. Donc voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir regarder toutes ces vidéos. Sur ce, je vous dis salut. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Je rebaisse le son. Horrible, au secours. Na 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 na. C'est plus façon de me parler, c'est plus façon de jouer, je sais plus ce que vous dire vite vite. Parce que il faut pas qu'il y ait la musique. Vous pouvez voir que j'ai changé de décor pour une fois, j'ai trouvé un autre party paint. J'ai changé un party paint, c'est bon, j'en ai marre un peu. Du vélo avec ça, je suis théorique en fait. On était dans son salon. Donc on va se retrouver, c'est possible. Encore. Avec toutes les nouvelles mises à jour qui ont été mises. Il faut savoir que la veille, t'as paru ? On avait tourné la veille jusqu'à 3h du matin. 3-4h. 3h du matin. Alors là. Là, petit truc. Ça prend du temps, ça charge, c'est normal. On filme à l'envers. Vidéos, donc vous voyez, pourquoi là, vous avez plusieurs vidéos. Donc je suis désolé, je vois à l'envers, on ne voit pas du tout ce que
Pourquoi on filmait à l'envers? Parce qu'en même temps, on faisait un stream. On liveait en même temps. C'était les prémices des streams sur de YouTube et de Twitch. On était sur live stream, je crois, si je ne dis pas de conneries. Et on streamait, comme ça. En fait, on servait de la webcam de l'ordinateur de Lolo pour pouvoir streamer le jeu. Donc, on capturait via sa webcam. Et pour les à côté, donc on va dire le coulisse, et pour que ça soit sorti bien après le direct, on filmait du coup la caméra. Nouvelle fonctionnalité qui sont sorties. Donc, la première démo. Donc là, c'était la totale découverte de la 3DS. Je crois que je vais de la voir, il n'y a pas si longtemps. Ah, désolé, j'ai un petit peu galéré sur la vidéo, mais je tiens la console à l'envers, donc question ergonomique, ça va être facile. C'était une horreur. Plus jamais j'ai fait ça. Plus jamais. Team Ninja. Mais voilà, on voulait essayer les vidéos test en live, on voulait savoir ce que ça donne. Live. On était sur live stream, donc c'était vraiment les prémices. Je vois pas du tout ce qui est affiché. Des streams en direct. C'était plutôt génial. C'était plutôt une bonne expérience, j'ai envie de dire, attention, c'était un bon truc. Mais donc on va faire le mode. C'est très compliqué de faire. Et là, on avait pas le mode. Scénario, c'est ça? C'est quoi le premier mode qui est marqué? Si je peux me lire. Chronique. Chronique. J'ai joué vraiment avec. Je filmais dessus. Je sais même pas quand je me suis déverné pour pouvoir. Donc c'est une démo de Dead or Alive qui était sortie sur. C'était la démo, elle est pas très longue. Elle est vraiment très. C'est une démo de Dead or Alive qui était sortie. Vous entendez le retour derrière. Alors, on entend un retour derrière, ça veut dire qu'on était vraiment en live. Elle n'avait pas coupé le son. On avait oublié de couper le son, je crois. Donc ça, c'était pour l'opus spécial 3DS de Dead or Alive. Autre série à gros carton succès de jeu de compétition. Et j'ai un de Dead or Alive, on ne peut pas l'avoir de là non plus. Excusez-moi si j'ai du temps. J'ai du temps. Ah si. Mais je l'ai sur PS4, mais je ne vois absolument rien. Parce que il est tout derrière. Donc, je me dépasse. Ouais, je dois faire quoi là. Mais j'ai rien sur PS4. J'ai rien sur PS4. Vous pouvez voir, je me débrouille pas trop mal non plus quand même à ce moment-là. Sachant que j'étais dans une position totalement inadaptée. Hein. Et je rappelle que la veille, on avait tourné jusqu'à je sais pas quelle heure. Les vidéos. C'est très fluide, ça passe très facilement. Donc, avant d'y jouer, bien sûr, avant de vous montrer, j'ai déjà joué à ce jeu. Ah bah obligé. Obligé. Alors le cadrage, c'est pas moi. Je tiens juste la caméra. Je tiens juste la manette. La console à l'envers. Le cadrage, ce n'est pas moi, je tiens à le rappeler. Tu galères pas trop pour filmer. C'est trop grave, on pouvait plus, je crois, à la fin. Moi, on était fatigué aussi. Mais, je crois qu'en termes de vidéo, c'est le pire ce qu'on a pu faire, je crois. Mais en termes de fatigue, on était encore beaucoup plus loin que ça. Non, je dis plus rien, je vous laisse. Donc, voilà. En gros, la démo sur le mode scénario, on va passer sur la démo des combats. Et Vietman. En gros, la démo sur le mode scénario, passer. Retour. Quitter. Ouais, ma grosse main en plein cam. En plein écran, c'est génial. Et gérer les deux en même temps. Ouais. Arrête de gérer celle-là. Oui, mais on gérait tout en même temps. C'était horrible. Donc là, on passe au mode arcade. Entre quatre personnes avec le dossier de capture et l'adaptateur pour capturer l'écran de la 3DS, tu ne fais plus personne. Mais quand je rappelle à ce moment-là, on n'avait pas de moyens, on avait zéro moyen.
on avait rien. Mais t'es allergique, mec. Non, mais j'ai pas essayé encore. Eh, donc c'est pour ça que je vais tester. C'est vrai, j'avais déjà testé les mecs et tout ça, là. Et c'est vrai que sur le coup, on n'a pas pensé à couper le retour derrière. Parce qu'à la base, on a vu le retour pour voir si on avait du son. Ouais, comme ça, c'est très facile. Habituellement, au début de chaque live, je regarde mon téléphone, j'écoute un peu mon téléphone pour voir s'il y a du son ou pas. Et après, je coupe comme ça, ça évite l'écho. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas pensé du tout à couper. J'espère qu'on n'a pas 50 minutes de coup. Ça va être horrible. Ça, j'avais dit, cette vidéo, elle serait longue. Bien comme moi, ça va très très vite, là c'est très très rapide. Ouais, ça me forcera à mettre plus de vidéos la prochaine fois. Filmer comme on peut, sinon ça serait, si vous me voyez en train de filmer, vous serez en train de rigoler. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est... On est... Moi encore ça va, je suis dans une position. Je suis avec une caméra de l'autre côté. Donc vous verrez la vidéo un peu mieux quand elle sera disponible sur le site. Moi je suis bien positionné par rapport à LOL qui doit me trouver deux caméras. Moi je suis juste assis sur le canapé en tenant la console à l'envers. Et je vois à l'envers. Donc de ce côté là je suis pas le plus à plaindre. C'est vraiment Lolo à ce moment-là qui lui est le maître de deux caméras, parce qu'il est maître de la caméra qu'il tient pour filmer actuellement, et aussi maître de la webcam pour faire une pub au milieu, voir si tout fonctionne bien. N'hésitez pas à visiter matiti.e-site.fr et surtout la page. Tapez Matiti News dans la barre de recherche de Facebook et vous devez. Et pour Twitter, c'est Walking avec 2D à la fin. Donc n'hésitez pas à nous suivre. C'est le démo. Et je précise que voilà pour voilà, désolé pour la qualité, mais on n'a pas forcément le matos. Désolé pour la qualité, la croix. Sinon vous aurez vu des images à l'envers en fait. Je voulais vous montrer les images à l'endroit, mais c'est vrai que c'est pas facile. Parce que c'est moi qui joue à l'envers du coup, et je vais galérer dans une autre vidéo. Et ouais, j'ai bien me rêver. Encore une fois, je peux plus apprendre à peine dans cette situation parce que je n'ai pas de caméra à gérer. J'ai juste à gérer le jeu à comment jouer. Donc voilà, notre démo là elle est terminée. Donc, on passe tout de suite à une prochaine démo ou un autre truc. Je crois que j'avais fait 3-4 démos, il me semble. Donc, le logiciel là, le logiciel pour parler, ça c'est Eurosport où on montre le sport, donc on va vous montrer et on va vous faire Cooking Mama si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc là vous avez eu un logiciel là. Et là, j'ai eu. Et oui, je suis gaucher et pas droitier. Et encore désolé pour la qualité. Bon, même si je pense que le gars est parti. On a quand même deux visiteurs encore, donc c'est bon. Damn. Et encore désolé pour la qualité. Cooking GG. Là, vous le voyez. Et là, ça toque sur la tête. C'est pas vrai. J'ai pas de toque. Vous voyez un peu les doigts de GG. Désolé. Comme tout se passe à l'écran tactile. J'espère que je vais au moins réussir. Ah, là on pouvait pas faire mieux que ça. Oh. Ah, honnêtement, à ce moment-là, quand on s'est lancé dans le truc, on pouvait pas faire mieux que ce qu'on faisait. Là, maintenant, oui. C'est pas je pense que oui, avec tout le matériel qui est un peu plus disponible, ah, surtout, un peu plus adapté, on ferait mieux. Mais là, au moment où on a tourné cette vidéo, je crois que c'était 2012, on était dans le top du top, ce que nous, on pouvait faire en termes de vidéo. Alors certes, la qualité n'est pas géniale, mais bon, on avait une caméra et ça fonctionne très bien. Voilà,
Bon, je tiens à préciser, je me débrouille mieux à l'envers qu'à l'endroit. La première fois que je l'ai fait, j'ai fait une vraie top catastrophe. J'avais loupé la pâte à pizza. Cooking Mama est un jeu que j'aurais aimé avoir vu sur la 3DS. Malheureusement, je n'ai pas. On passe à la seconde étape, donc là, on a joué, on va préparer la farine et tout. Non, on va tourner. C'est normal, tu vas avoir ma main. D'accord, je préviens, tu vas avoir ma main. Je sais pas si je fais dans le bon sens ou pas. Que c'est à l'envers qui joue. Et on a bien aussi tous les bases. Oh mon ancienne sacoche. Ma vieille sacoche, c'est là où je mettais ma caméra dedans. Donc là, à mon avis, je suis mal barré. Caméra que je n'ai plus. Enfin, j'ai encore la caméra. Mais j'ai plus de chargeur, malheureusement. Enfin, j'avais acheté une autre caméra quand même, il y a quelques années sur Amazon, mais qui a un gros problème, c'est que le micro est derrière. Donc, je vais faire comme je peux. C'est très très difficile. Donc là, vous voyez la barre du haut. Il y a un truc à bugger. Ça a bugué. Eh oui, hey, les problèmes de connexion internet, ça existait déjà à ce moment-là. Alors on s'arrêtera là après. Pour hein, cette partie-là. Ouais, je suis quand même content parce que malgré tout ce soir, malgré les coups, bon, le time est très bon. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. À peu près bien. J'ai pas vu dans quel sens. C'était GG Cooking. Ne l'invitez jamais chez vous. Les dégrader cette vidéo. Ça y est, c'est remis en marche. Tu as fait un temps. Ouais, c'est bon. On va continuer à finir. Non, mais. Tu as signé, il faut. Et ça fait presque 2 heures. Il y a un marche rail là-bas. Combien de temps? Voilà, donc je sais pas du tout ce qu'il faut faire. C'est magnifique. On finit à minuit, soir. Désolé, j'ai fait un zoom sur les doigts, Jérôme. C'est pas le plus intéressant du jeu. Mais c'est très très dur la position de ouais. Voilà, là vous voyez. Ah, parce que lui, il est par-dessus la. Attention, il filme par-dessus l'ordinateur. Ouais, tu sais, t'es pas content, c'est bon. Elle est vraiment pas contente. Pas mal. J'ai eu pas mal quand même. J'ai pas mal, je sais pas comment j'ai fait. Toujours pas. Donc on passe à la suite. J'ai pas le mot, j'ai horriblement mal. J'ai mal partout. C'est juste horrible. Donc là pareil, donc là maintenant on va préférer la pâte. Donc hop, là ça se va. Je crois qu'on a compris le jeu. Donc de te faire souffrir après avoir. Alors, mal au pied aussi. C'est l'équipe de Mat City. On est des wa. Ce qu'il faut, mais on improvise. C'est ça. Allez, descend. C'est totalement ça. On est... Peut-être pas le joueur du grenier. On a peut-être pas sa technique. On a peut-être pas. On met peut-être pas un mois à tourner un film. Mais la passion est là. On improvise. Voilà. Bon, je précise que le jeu vidéo, c'est le domaine de GG. La référence. Bon, c'est le cinéma et les séries télé. Chacun son domaine. Bon, maintenant, je suis allé un peu donc plus là, dans le domaine. Là, vous voyez les mêmes qui pétrissent sa patte. Terminé. Très bien. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette partie-là de... démonstration de démo, on va se reposer 2-3 minutes avec. Voilà. Parce qu'on a hyper mal partout et on se retrouve pour la suite. Vous les studios ? Voilà, là on a fait une petite pause qu'on en pouvait plus, je pense. Oh ! Tu vois ? Ouais. Désolé hein, pour ceux qui regardent. Hop. Vous voyez voir ma vie. Ah, la démo de Resident Evil. La démo de Resident Evil Révélation, c'est ça, si je ne comprends pas. Donc. Voilà. Premier Resident Evil à être donc, traduit. Je vais vous en montrer quelque chose. Bon, sachant que je vois à l'envers. Avec la voix française. Jusqu'à la première. Si je meurs directement, je recommencerai. Mais si je meurs un peu plus loin, ben, on passera à la suite. Et j'ai toutes les versions. J'avais toutes les versions. Fait. Parce que je tiens, comme je tiens la console. Il manque la 3DS du coup. Ben, c'est pas facile. Je sais pas grand chose. Mais j'ai la version. Donc on contrôle le personnage que tout le monde reconnaît. J'ai la version PS3. Est-ce que tu la reconnais? Mais franchement, c'est. Oui, c'est plutôt un beau Resident Evil. C'est Jill Valentine. C'est elle. C'est pas The Resident Evil, mais c'est un bon Resident Evil. Meilleur que le 2, que la version 2. Je vais te demander juste à Jean de faire une mini pause, s'il peut mettre pause. Bah attends, ça charge donc pour l'instant.
Moi, et là, voilà. Tu es big avec galerie, donc tu vas m'aider un petit peu parce que je suis à l'envers et le jeu ne sera pas du tout facile. Donc alors, attendez, faut juste que je me rappelle des touches. Ah là, par contre, là, je commence à galérer pour jouer. Mais il était quand même. Bien sûr, j'ai déjà joué au jeu, hein. Bien sûr, j'ai déjà testé. Et tout, donc je peux faire ma petite opinion. Si tu as fini la démo, je suis mort. C'est qui tactile, on voit l'arme de Jill, la carte, si je me trompe pas, le couteau. C'est la carte. Et les items, quoi, en là, gros. C'est fermé. Et donc là-haut, c'est le jeu. Donc on voit Jill dans un manoir ou je ne sais quoi. Alors c'est pas un manoir, ça ressemble à un manoir, mais c'est un bateau. C'est un bateau, d'accord. Donc c'est pour ça, quand j'ai dit au début, je sais pas du tout où ça se passe dans l'histoire. Je sais pas du tout. Sorti sur console. Il se passe avant le 5. En tous les cas, ça rappelle un peu le bon vieux temps. J'ai bonne mémoire, ça se passe bien avant le 5. Donc, gameplay très facile à prendre en main. Un gameplay à Resident Evil. Ma caméra dos au personnage. Je crois que dans l'ordre chronologique, c'est... pas les objets. Donc, les objets qui sont... Resident Evil connu. C'est Resident Evil 0, 1, 2, 3. Code Veronica. 4. Révélation. 5. Révélation 2. Le 6, le 7, le 8. Ah, il faut que je me fasse. 1, 2, 3, 4, révélation 5, il est très moche. Révélation 2, 6, 7, 8, 11 jeux. C'est, mais moi je le trouve très très moche. Je préférais des bons vieux zombies quand même. Ah, par contre, on voit que le gameplay chaud. N'est pas le même que sur les autres. C'est pour ça, à mon avis, cette vidéo est très courte, cette partie. Là, Jérôme réalise un véritable exploit. Parce que là, c'est, voilà, c'est un exploit, je joue vraiment à l'envers. C'est... Ah oui, oh là, par contre là. Ça va être showtime. Donc, utilisation du stylet. Désolé pour ceux qui voient ma main. Hein. Ouais, ma réseau. Pas bien difficile. Vous êtes toujours en direct avec ma City. Oui, yeah, baby. Voilà. Bravo, GG. J'ai réussi. J'ai réussi. Je sais pas comment j'ai fait. Nous non plus. Donc, on va essayer de résoudre cette énigme. C'est à l'envers. On s'en fout sur le scénario. Donc, que je connais pas. Et je me rappelle plus son nom. Donc, on va essayer de partir du bateau. Le verre pour se régénérer. Le fusil à pompe. De l'air. Switcher un. De là. Non, parce que du coup, je dis ça et je revois la bombe pour l'instant. Ah, mais tiens, ça a planté. Je revois du coup la vidéo du la sortie. C'est pas du bazar du grenier. Papy grenier sur les intérêts. Oh, la sortie où ? Que je vous conseille d'ailleurs de regarder. Bon, mais du coup, ça, vous n'aurez pas un live cette partie-là. Parce que le live est planté. Après, c'est presque, ça fait 2 heures que ça marche. Mais c'est que ça est planté. Ah, la carte qui est en bas. Enfin, en bas pour vous et en haut pour moi. Et c'est pas facile du tout. Et là, la difficulté qu'on a eu pour faire cette vidéo. Voilà, normalement, pour la vidéo qui est en live, vous ne devriez avoir aucun doublage de voix. Donc, tout à l'heure, c'était à cause de GG. Pour expliquer brièvement à toi et à nos téléspectateurs ou auditeurs, en fait, téléspectateurs. Vous voulez avoir un retour pour qu'on soit sûr que ça fonctionne. Et du coup, vu que la caméra est positionnée. En fait, ah oui, ça c'est au début, oui. Voilà, et donc là, c'est sur mon PC à moi. Il y a toujours le retour. Oh, voilà, donc là, on va se promener toujours dans le bateau. C'est beaucoup plus loin, il y a toujours le retour. Qu'est-ce qu'on fait là, en fait. C'est bien long, la démo. C'est pas logique ce qu'on a fait. Elle est extrêmement longue, j'ai jamais réussi à la finir, je suis mort à un endroit précis.
Mais je crois qu'on va s'arrêter là pour cette petite démo, donc c'était vraiment une petite découverte. Resident Evil. J'adorais beaucoup cette console. C'est un jeu à voir, moi ça m'a bien aimé, j'ai bien aimé. Donc. J'adorais beaucoup la 3DS. On va voir, tester, chaud. C'est un crève-cœur de ne plus l'avoir, malheureusement. Pour des raisons, bien sûr, bien obscures et personnelles. Mais elle me manque beaucoup, cette console. On dirait des aliens. Heureusement que j'ai la Switch, hein, maintenant. C'est là que je peux prendre un déplacement, mais c'est vrai que la 3DS m'a accompagné beaucoup dans mes déplacements, quand je partais en vacances, quand je partais sur Wii. Donc j'ai geeké beaucoup, j'avais pas mal de jeux dessus, j'avais les Zelda, j'avais Kind of Time. Moment en direct. 3D. Okay. Donc on va s'arrêter là. Pokémon, oui, bien sûr. Pour une prochaine vidéo. Et Resident Evil. Aussi, c'est difficile parce que c'est Raymond 2 aussi. J'ai Raymond 2. Mais voilà, j'avais pas mal de jeux et c'est vrai que c'est un crève-cœur de ne plus l'avoir. Alors avant, c'est une personne malsaine qui l'a gardé. C'est très long, mais bon, on peut pas faire autrement. Donc là, c'est un jeu qui est vite, je pense. Développé par Sega. Donc je suis dégoûté parce que c'était ma console à moi, c'était celle que je m'étais. Je sais plus si on me l'avait offert ou si je me l'étais acheté, mais moi j'y tenais beaucoup à cette console. Donc voilà, donc et ça c'est un jeu de réflexion, ça m'a fait penser quand j'ai testé, que vous allez voir. Je sais pas si tu connais Echo Chrome sur PSP. Mais passé par là. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Malheureusement. Bon, et bien voilà, c'est pareil, c'est un des plus grands regrets, c'est de ne pas avoir réussi à garder cette magnifique console 3DS que j'avais, parce que c'était vraiment un vrai régal. Maintenant, on va essayer d'en trouver une. C'est comme pour les autres, c'est comme pour les anciennes consoles, hein, j'aimerais avoir. Juste pour pouvoir prendre le plaisir d'y jouer, pas pour faire des vidéos, des quoi que ce soit. Désolé, je là, ça serait vraiment pour le coup de vraiment prendre plaisir à jouer. Quoi. Puis la 3DS, c'était la nouveauté. C'était de l'inédit à ce moment-là, avec l'effet 3D qui ne sert à rien quand tu allumes une caméra, bien entendu. Mais voilà, elle est là, t'as cet effet de profondeur 3D qui est vraiment magnifique. Et c'était une révolution à ce moment-là. Au niveau des têtes, voilà, c'est basique. Malheureusement, la révolution. On y va, dis donc, c'est qu'une démo. Voilà, je suis dégoûté. Je crois que c'est. Voilà. Je suis vraiment dégoûté parce que c'est. Voilà, c'est vraiment une console que j'adorais. Il faut savoir que j'avais eu toutes les. Juste pour une petite anecdote comme ça, j'avais quasiment toutes les premières versions des consoles de Nintendo. Réflexion très très basique. Vraiment, première console. Souvent c'était la deuxième génération de la même console. J'ai eu la Game Boy Pocket, j'ai eu la Game Boy. Game Boy Color, mais la deuxième version, pas la première. J'ai eu la Game Boy Advance, par contre, c'est la première version. J'ai eu la DS, nouvelle version console noire, la 3DS, celle-là j'ai eu, et après la suivante. J'ai galère comme un malade parce que je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Voilà. La caméra, mais c'était pour voir. La Switch, c'est une hybride, hein. C'est une mi-console salon, mi-console. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais je m'en sers plus comme console portable. Mais pas grave, vous aurez la vidéo indifférée, tant pis pour vous. Mais maintenant, là, désolé, je trouve pas le bon angle des vidéos dessus. Je pense à mon avis, vu le pas ce qu'il faut faire, vu le jeu comme il a l'air trop bien, on a rien raté. Tu es méchant, moi, non. Je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Donc, on va s'arrêter là dessus parce que, comme j'ai pas lu le texte et qu'il fallait lire, parce que c'était une petite vidéo, donc je vous le conseille de au moins tester la démo pour voir. Et ensuite, peut-être vous acheter. On était au mois de mars, c'était dimanche. Good. C'était un 25. Maintenant, on va passer à un autre jeu. Donc, Metal Gear, non, et j'ai une version Metal. Je me rappelle plus. Et là aussi, je vais mourir du premier coup. Sachant que tu combien il te reste de démos? 2-3. D'accord. T'inquiète, c'est bientôt fini. J'ai deux pifs, mais ça. Je pense qu'il commence à l'avoir marre aussi. Et encore une fois, quand je le redis, il faut rappeler qu'on sortait une très très longue session d'enregistrement. On va y tourner jusqu'à 2-3 heures du matin.
le plan large pour montrer qu'on est vraiment des bras voyez, cassés donc, dans la on allait technologie, voir bien en sûr. anglais, traduit en français. Texte traduit en français. Donc je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est un remake d'épisode 3 qui est sorti sur P2. Exact. Si tu pouvais baisser rien qu'un peu ta Il n'y a DS pas eu et si longtemps que ça, il y a eu un pack nostalgique de parce que ça, Nvidia on avec va pas, désolé, si je crois vous que Nvidia 1 ou 2, et si 3 vous avez vu un et truc un peu violent aussi. Parce qu'on voit pas le haut de l'écran en fait. On voit pas. Bonjour la webcam. Bah c'est pas grave, vous verrez l'autre de l'écran sur la vidéo. Ouais, voilà, voilà, donc si vous voulez les deux écrans, pas vous confier sur. Ouais, voilà. Si vous voulez voir la vraie qualité, allez sur le live stream qui n'existe plus. C'est vraiment pas facile, mais j'essaie de faire quelque chose. C'est assez corsé. Ouais, donc là c'est le tout début du jeu je pense. On est plongé dans la jungle, on va se profiter, on va pas se repérer. Ouais, ça maintenant c'est des trucs qu'on ne ferait plus maintenant. Voilà. Tout ça là, tout ce que je vous montre là, c'est vraiment des trucs qui sont très anciens. Et on était vraiment au bal du ciment de ce qu'allait les être le gaming et les streams à ce moment-là. Ça, elle a un peu glissé mais c'est dur de guider la caméra en fait. Donc il y a une touche qui permet de sortir. Permet de viser. Ouais, tu vois, on était prêt à tout pour faire déjà un live et ensuite en même temps faire une vidéo. Ouais, chose que le maintenant but, on ne ferait plus comme ça. Parce que maintenant les lives on peut les faire directement. De quoi? Donc on va pas vous entendre plus. Grâce à OBS. Et pour les vidéos on peut le faire d'une autre façon. Donc je veux dire. Il m'en reste encore 1, 2, 3, 4 si tu veux. 4 démos. Ah oui, Nintendo. C'est Nintendo, non? Ça va aller très vite. On connaît tous Nintendo. C'est Nintendo. Les deux dernières vont aussi très vite. Tu vois combien de temps il reste? Encore deux dernières. Ah si, c'est la dernière. 20 minutes. Il nous reste 20 minutes. Mario Sonic. 20 minutes après qu'on finisse cette vidéo. Donc voilà. Là, Nintendo. C'est la dernière de l'année. On va montrer ce que c'est la dernière. Dans 10 minutes, on attaque le dernier jour de l'année. Voilà, 2023. Moi, par exemple, j'ai deux vrais chats à la maison. Pas besoin de Nintendo. Et là, il y en a trois et un chien. C'est Mimi. Trois chats et un chien. Aime les jeux pour les petites filles. Hop. Et je trouve ça mignon, j'y peux rien. Regardez comme il a l'air heureux. J'y peux rien, je trouve ça mignon. Bon, après, mais c'est pas grave. Mon chat me manquait. C'est-à-dire quand t'as dit une connerie. Mon chat me manquait un petit peu à ce moment-là. Il chatte. Il est tout rond, rond. Je crois que là j'avais envie de le taper en même temps. Je pense que j'avais envie de le frapper. Ça c'était pour le chat. On peut prendre le chien. Et faire pareil avec le chien. Waouh. Trop cool. Là, si tu regardes ça. Voilà. Ça, no comment. Si vous trouvez pas, pas no touche. Comment. Voilà. Pour la balle. Voilà. Donc on s'occupe de nos animaux. C'était un jeu qui c'est voilà. Tu ne pas. C'est une série Nintendo qui marche ouais. Bien mine donc, de rien, je veux dire. J'ai quand même pas mal de plus maintenant. Je pensais à toutes ces donc, animaux on va passer qui maintenant à la démo de Sony. Ils ne reverront jamais la lumière du jour de la console. Ça c'est mieux. Donc, on va voir 5 épreuves. Et vous allez voir que je vais galérer pour les faire. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, j'ai vu. Ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure, que Mario a totalement tourné sa veste pour participer aux Jeux Olympiques et Mario. Et on a, je crois qu'on a un jeu tous les 2 ans qui sortait. Un aux Jeux Olympiques d'hiver, un autre aux Jeux Olympiques. C'est un party game, bien entendu. Exclusive sur Nintendo, donc oui, PS, Switch, mais non. Mais c'était, mais il y a eu quand même de très très bons jeux, c'était un vrai régal. À faire sur console, moi je m'étais régalé. Je l'avais sur donc c'est Waluigi.
Waluigi qui a été le méchant que dans un seul jeu de Mario et qui maintenant est invité récurrent tout le temps dans les jeux autres que les Super Mario. Je pense à Mario Kart, Mario Party et deuxième tour. Ouh, il s'est fait plaisir. Presque imperfect. Voilà, donc deuxième tour c'est un peu plus rapide encore, là j'ai bien 92.2. Vous voyez la team GG, c'est Waluigi, Wario. Et la troisième round, donc ça va être... Eggman et... Metal Sonic et Robotnik, c'est que des méchants en fait. C'est magnifique, une équipe de méchants. Non, ça c'est contre les autres concurrents. Ah. Waluigi. Moi je suis le Waluigi, mais je suis premier. Metal Sonic est deuxième. Il n'y a que des méchants quoi. C'est... Ça change, et là ça va changer au fur et à mesure. Quand je vais avancer dans le jeu. Donc, vous allez voir, je vais avoir un autre personnage. Enfin, un autre. Je crois pas que j'avais cette version sur la 3DS. C'est quoi déjà là? Je sais que j'avais une version sur Wii. Football, ah oui. Avec laquelle on se régalait. Je crois que c'était aux Jeux Olympiques d'hiver. Merci. Ah ouais, non, c'est aux Jeux Olympiques d'été là. Ah non, bon, la ou la version 2010-2014. Ah oui. Vas-y, c'est... Je sais pas qui. C'est Bowser qui fait penalty. J'ai loupé. Je suis désolé, là j'ai du mal. Baisse le joystick. Ouf, ce tir. Deuxième loupé. Il est mauvais. Voilà. Il faut que je relâche un peu le joystick avant, non? Non, ce n'est pas un bêtisier, c'est vraiment GG qui joue. Donc là, j'ai réussi à un tir, mais j'ai pas réussi à marquer. Oh. Voilà. Oui, on a marqué après. J'allais mieux. Goal. GG, bon dernier. Ah, je suis dernier, c'était pas là parce que j'ai pas. Même dans les FIFA, j'arrive même pas à faire un match. Il a passé vite, le premier c'est Donkey Kong, je crois. Je suis toujours premier. Ah non, il est deuxième, Donkey. Donc, quand on a fini la partie, je suis premier au bout de deux épaves. Et là, c'est quoi là toutes les épaves. Donc, trampoline. Ok. Et. J'appuie sur le bon. Faut que tu sautes. Ouais, c'est, je me rappelle. Il a. La... Shadow. Comment elle s'appelle elle déjà? Shadow. C'est Shadow elle, n'importe quoi. Ouais. Donc là c'était pas bien difficile, fait que je suis assis mais que j'appuie sur A au bon moment. Vous le voyez, Jérôme est fort aux épreuves pour filles. Oui, merde. Mais pourquoi il me critique sur ma façon de jouer lui? Spécial Shadow. Shadow est un personnage que j'aime beaucoup, je trouve. Je connais pas son histoire, attention, parce que moi, je me serais tassonné que c'est Bud. J'ai fini premier. Bien entendu, mais c'est vrai que le personnage Shadow, je le trouve bien, bien sympa, quoi. Je préfère lui à Knuckles, pour le coup. C'est quoi là? C'est un maître, oula. Un natation. En plus, comme je suis à l'inverse, donc ça va être plus difficile. Attends. Ok, c'est dommage qu'on va pas marcher. Natation. Encore une épreuve pour filles. Bah là, on voit rien, c'est dommage, j'ai la main qui prend un petit micro. Ah, je crois que c'était la nage synchro. Et il a une fille, Amy. Non, c'est pas Amy. Si, c'est Amy, pardon. C'est pas Blaze. Hein? Blaze, je me rappelle pas. C'est Blaze. Donc vous pouvez voir, je suis très très...
pas encore compris comment il fallait faire pour. Emmy, elle est sur le rose, non. Mais j'ai pas compris. Votre personnage est mauve, donc c'est Blaze. J'ai pas compris s'il fallait s'arrêter, tourner au fur et à mesure. J'ai pas compris. Est-ce qu'on est toujours premier? Je vois pas. Ah, je pense que oui, 23 points. Oui, il n'y avait que des filles qui faisaient la natation. Dernier round. Il reste 12 minutes. Je ne sais même pas sur quoi on a terminé d'ailleurs. Pas de micro. Ouais. Donc là, je contrôle Luigi. Luigi. It's me. Quelle équipe? Luigi. Mario vs. Luigi vs. Tails. Désolé si je suis en train de bouger là. Donc là on a Tails, le renard à deux queues. On a Sonic qui court, qui n'a même pas besoin de vélo. Et Mario qui est devant, bien entendu. Alors. Elle est bien longue cette course. Je trouve qu'elle est un petit peu trop longue cette course. Ah oui, j'avais perdu. Oh, voilà, donc c'était une démo de... 2012, c'était Pékin, ouais. Il me semble. Non, Pékin, c'était 2 minutes, il me semble. Ah, c'était bon. Donc, c'était tout pour cette démo. C'est maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Traduit en français. Et que moi j'ai bien aimé, j'ai testé la semaine dernière, j'ai vraiment bien aimé. Donc on va faire juste une petite partie de ce truc, et après on passe directement à la prochaine vidéo que je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, je me rappelle plus. Ah si, c'est pas un truc où tu contrôles un cambrioleur. Là je me rappelle plus. Le rythme total. Ah non, c'est le jeu d'avec. Donc là, vous devez voir, je vais faire un... Ah ça devait être cool ça. Enfin je crois que c'était cool. Ça me dit vaguement quelque chose. C'est dommage que j'ai pas pris. Ah, si on aurait pu prendre tous les jeux qu'on en avait adoré, je pense que ma chambre ne suffirait pas. Déjà, j'avoue que j'ai énormément de choses. On écoute. C'est un peu peur. Attends, toujours l'écoute, on entendra jusqu'au bout, hein, bordel. Les échos de merde, on entendra jusqu'au bout. Hein. C'est dommage. J'arrive pas à faire boum. Hein. D'après, dans la poche, j'ai. Si ça va, ça va. Là, comme vous pouvez voir, je galère vraiment. C'est pas une bague, je galère vraiment. Poum, 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 tchiki, tchiki, poum. Poum, poum, tchiki, tchiki, poum, poum, tchiki, tchiki, poum, poum, tchiki, 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 poum. Tchiki, tchiki, poum, poum, poum. C'est là, on commence à perdre. Ça se fait quand même un peu là, je commence à fatiguer, vous voyez. Ça se passe à la ville de Paris. Mais là, je pense qu'on commençait aussi à fatiguer parce que ça a été très long. On a eu une soirée très très longue la veille, donc on s'est couché assez tard. Pour pouvoir finir l'enregistrement de toutes ces vidéos. Puis ceux-là qu'on faisait le lendemain directement, donc c'était un peu trop. C'était un peu compliqué. Je crois que c'était dans la vidéo qu'on entendait ce cri. Je vais moi. Parce que je vois que tout est fermé, hein, j'entends des cris donc. Oui, tu peux enlever une chanson de 3 minutes. Hein. Ah ouais, quand même. On va donc dépasser les 30 minutes.
On les a largement dépassés. Faire glisser. Ah, putain. Je sais plus dire. Donc, on est sur la démo d'un jeu de rythme. Quelle idée j'ai eu de faire ça? Je n'avais aucune idée de ce qui m'est passé par la tête. C'est vrai que j'ai regardé beaucoup de fois combien de temps il reste. 7 minutes, ça devrait aller. Là, je commence à trouver le temps long. J'avoue que là, je commence à trouver le temps. J'avoue que là, 50 minutes, c'est très long. C'est très long quand il se passe pas grand chose. Quand il se passe des trucs comme par exemple dans un SP ou quoi, ouais, c'est plus intéressant. Là, c'est vrai que là, ça va jouer par chose, symbole de quasiment pas, on dit quasiment rien quoi. J'essaie de me meubler par-dessus. Très très rapide de savoir quelle couleur c'est. Oh. On est plus à poser. Bonne nuit. Merci. Donc il faut appuyer sur les bonnes bonnes touches pour que tu puisses apprendre la pause et passer en paix. Bien joué, ouais. On a un niveau pas trop mal. Nous sommes des gentlemen filles cambriolaises. Cette manie que j'ai de mettre les doigts en pleine devant la caméra, quoi. Désolé pour ce signe de fatigue. Plutôt pas trop mal dans ce dans cette démo. Je disais pour ces longueurs, je me rappelle pas de cette démo, donc j'ai vraiment rien à dire, mis à part que le cadrage est totalement dégueulasse pour ça. Bon, une fois ça, je peux pas aller en vouloir. Je pense qu'il en a chié aussi, autant que moi, je pense, sur cette vidéo. Qu'il a fait d'un peu plus aussi. Ouais, donc c'est pour cette et qu'il vidéo, est derrière vidéo, quand même, pour se contorsionner pour pouvoir bien me filmer moi, mais quand il s'occupe de la webcam pour le live stream, en fait, c'était une horreur. Donc on passe directement à la démo que j'ai téléchargée récemment, que j'ai pas encore pu tester. Et c'est la dernière démo. C'est la dernière démo de Pyramide. Donc c'est un jeu de rapidité, j'ai pu regarder un petit peu sa fiche. Mais j'ai 4 lettres. Je vais jouer à l'envers, ça va être, pas être facile, commencer. Oula. Attends, c'est quoi déjà ce jeu? Je crois pas plus. Donc les personnages ils sont vraiment très petits. Ok, je crois que j'ai compris. Waouh, il y a une racine du premier niveau. Donc c'est les jeux de réflexion, pareil, que celui qu'on a dit tout à l'heure. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal à tenir les lignes. J'aurais peut-être pas dû faire cette vidéo de 50 minutes. Okay. Mais on n'en est plus très loin, il reste 3 minutes. On est à la fin. J'avoue, je commence un peu à fatiguer. J'ai pas compris ce qu'il faut faire. Mais on est à la fin, donc. Oui, mais je vais en faire le même niveau là. Ah, bah parce qu'il y a peut-être quelques niveaux. Ah, ça serait con. Doucement, mais sûrement, on arrive à la fin. Je me le dis pas. Les Mongoliens, lui alors. Là, il est où l'objet là? D'accord. Donc là, il faut sauter pour récupérer l'objet. Classique.
Je pense pourquoi là il filme pourquoi il filme ça. Là, je crois que même le caméraman est là. Oh, c'est pas mal, moi j'aimerais bien jouer à voir. Comme détente. Ah, le cadrage il est plus. Enfin. Mais je crois que maintenant on est arrivé au bout du rouleau. Voilà, toi. Donc c'est un jeu de rapidité avec pour thème Égypte. On est arrivé au bout du rouleau, on n'en pouvait plus. Comme là actuellement, je suis fatigué. Je crois que c'est un peu fatigué. Mais là-bas, c'était là à ce moment-là, c'était pareil. On était au bout du rouleau. Donc là, les personnages qu'on voit, ils sont très petits. Pas trop zoomé dessus, sinon ça floue. Là, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. On a dépassé les 30 minutes. Je sais pourquoi ils me disent ça. J'en ai plus. Désolé pour le. Mais on est mort. Putain, on est dans la vidéo, on a dépassé la 50 minutes. Donc. C'est ça? Ah. Déjà 26 de vidéo quand même. Que je dois remettre. Que je dois remettre sur YouTube. Et je pense que je le mettrai demain. Ah ouais, ça va rien parce que là. Dans une heure et demie, j'arrête le PC donc. Ça sera la dernière vraiment vidéo de l'année. Ah, le silence! Le silence, c'est mortel. Oh, bah, je sais pas du tout ce qu'il faut je faire. Je fais une vidéo, c'est mortel le silence. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ouais. Désolé pour la qualité. Je reviens tout directement en intermission. Comme ça, au moins pour la fin de la vidéo, ce sera beaucoup mieux. Et à la prochaine pour d'autres. À vous les studios! Voilà, donc vous venez de voir. Petit game. Et pardon. Voilà. Ouais, boum, dégage. Je l'ai fait dégager, mais là on était mort. On était mort. On a la barre, tu as voulu de faire un direct sur la Einstein. Je remonte juste à 3DS. A vous. Les studios. Et tous. Et ben voilà. Voilà, c'est la fin. C'est la fin aussi de cette dernière vidéo de l'année, du coup, c'est plus la live, c'est cette dernière vidéo de 2023. Ça va passer des choses, ça va en passer. Voilà, c'est la prochaine vidéo, on verra plus tard. La grande soirée des jeux rétro sur Mega Drive, Master System. Je pense que ça m'a permis de pas mal de trucs. J'attends. C'est bon. Ok, ça c'est terminé. Bon, du coup. Ben écoutez, c'était un plaisir de faire cette vidéo ce soir. Cette vidéo react, ce live react. Alors je sais que c'est pas du tout un truc assez intéressant. Je sais que c'est très compliqué. Je sais qu'il faut arriver à meubler. Le but c'est de raconter des anecdotes. On n'a pas d'état. Malheureusement, parce qu'on ne fait pas de tournage de folie non plus. On n'est pas en extérieur. Mais c'est toujours un plaisir pour ma part de revenir sur d'anciennes vidéos. De me dire, voilà, on a fait ça, c'était il y a plus de 10 ans. On est encore là, malgré tout. On continue à progresser. On essaye de progresser. Malheureusement, ben, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi ça prend du temps. Je le rappelle, on n'a pas les moyens qu'ont certains let's players ou certains youtubeurs. On fait ça avec nos petits moyens, on essaie de faire ça au maximum qu'on peut. Vous le savez, si vous me suivez, que j'ai des gros problèmes de connexion internet. Donc des fois, de faire des lives, c'est très compliqué, mais je m'y tiens quand même à essayer de les faire. Sachant que derrière, si jamais je vois que le live ne fonctionne pas, ou que ça, il plante comme là ce soir, il a tenu pendant plus d'une heure et demie. Mais pendant une année, et beaucoup d'images ont sauté. Tout ça parce que ma connexion, elle est fluctuante. C'est un bordel son nom. C'est un bordel son nom, ma connexion. J'ai la fibre, mais j'ai pas la meilleure option de la fibre. J'ai la moins chère. Donc, ça sert
permettre de faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire permettre de faire des vidéos, permettre d'avoir un accès internet quand même, mine de rien, avec le câble via la console qui me permet de regarder YouTube, Disney Plus, tout ça. Mais c'est vrai que ben, de temps en temps, dans le mois, je ne peux pas faire de live. Je ne peux pas faire de live comme j'aimerais les faire. C'est-à-dire que je lance le live, je discute avec vous, il y a des gens qui peuvent arriver, on discute un petit peu, on joue au jeu tout en discutant. Mais malheureusement, comme ma connexion, elle est un peu bâtarde, 3 fois dans le mois, ça peut fonctionner. 3 semaines dans le mois, ça fonctionne bien. Et la dernière semaine, ça peut être un truc pourri. C'est pour ça que maintenant, depuis quelque temps, j'ai décidé d'enregistrer en même temps les vidéos. Comme ça, je lance le live et ça enregistre la vidéo. Donc comme ça, si je sais qu'il y a des problèmes, eh bien, la vidéo de base, elle va rester, parce que ça va faire quand même des vues. Et il y a toujours la rediff. C'est pour ça que je vous dis, et je vous le dirai tout le temps, n'hésitez pas à aller regarder la playlist du jeu en question, parce que depuis quelques mois maintenant, je fais des playlists pour les jeux en particulier. Par exemple, j'ai eu un commentaire aujourd'hui d'une personne qui disait que la vidéo d'hier, donc le live que j'avais fait hier à la base, j'ai bien dit le live, n'était pas terrible, il n'était pas fou, t'es moche. Ben oui, le mec il a regardé 5 minutes de vidéo, c'est normal, c'est les 5 minutes qui ont bien fonctionné, avec des coupures, mais il n'a pas eu dans l'idée, peut-être, et c'est peut-être un peu ma faute aussi, peut-être de le dire dans la description, n'hésitez pas d'aller voir la playlist. Moi je vous invite, si vous voyez que la VOD, que non, direct, les vidéos en direct durent moins d'une heure, allez voir par pitié la playlist. Et la playlist elle est là pour ça, c'est pour vous éviter de vous perdre parmi les vidéos, les ça. Il y a une playlist, allez voir la playlist, regardez la playlist et vous verrez que ben, la vidéo malgré tout elle continue derrière. Certes ce n'est plus un live, mais c'est quand même une vidéo qui va durer un certain temps. Donc voilà. Donc voilà. Après, comme je dis, c'est dommage parce que moi, ce que j'aime bien dans les lives, c'est l'échange. C'est les échanges. Mais malheureusement, tant que j'aurai pas une meilleure connexion que ça, et ben ça sera comme ça. Et c'est dommage. Mais bon, il y a certains fidèles qui sont toujours là. Je pense surtout à notre ami Yas Gaming, qui lui regarde mes VOD, surtout sur Arc, le Clan et Nemos. Je sais pas s'il regarde toutes les autres VOD, je n'en sais rien. C'est un peu, je pense que ce serait un peu long, parce que vu qu'il est sur beaucoup, beaucoup de chaînes et qu'il regarde beaucoup de chaînes de vidéos, je pense que ce serait très long, très compliqué de regarder tout ce qui est normal, je le comprends très bien, mais je sais qu'il est abonné à la chaîne. Donc je tiens alors à le remercier. Je tiens à remercier bien sûr toutes les personnes qui sont aussi abonnées à la chaîne. Vous êtes plus de 538 abonnés. C'est quand même plutôt pas mal. J'espère qu'on va pouvoir continuer à monter. J'espère qu'on va pouvoir continuer à monter en gamme. En grade. J'espère que le nombre de vues vont continuer à aussi augmenter. Parce que c'est quand même pas mal déjà. Moi, je suis toujours impressionné quand je vois que. Mais juste par exemple, juste pour cette vidéo-là que j'ai repostée aujourd'hui, il y a quand même eu plus de 9 vues. Alors que c'est une vieille vidéo, toute pourrie. Voilà, donc je suis quand même étonné. Donc voilà, donc je me dis, ben, au moins il y a peut-être un public là-dessus. Là, cette vidéo, je ne sais pas du tout combien elle va faire. Je pense que la vidéo live va faire à peu près, elle peut faire une quinzaine ou une vingtaine de vues. Mais la VOD, ben, va pas faire beaucoup de vues. C'est dommage en même temps, mais bon. Voilà, c'est le risque. C'est le risque, c'est comme ça. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé toutes ces vidéos pendant cette année. Cette année 2023. Comme vous le savez, moi, je fais toujours une rétrospective de l'année vidéoludique que j'ai fait sur YouTube, mais je le fais en mois d'août parce que c'est là où j'ai commencé à revenir sur YouTube, c'était en mois d'août 2020 si je ne me trompe pas. Donc du coup, c'est vrai que bah, pour moi le mois d'août est un peu particulier parce que c'est là où je fais une petite rétrospective fin juillet de toutes les vidéos qui sont sorties courant l'année scolaire, courant l'année. Alors peut-être que cette année en 2024, peut-être qu'en décembre 2024, je ferai un bêtisier. J'ai envie d'en faire un, de faire un best-of. Alors, ça sera peut-être pour 2024, le best-of. Avec toutes les morts, quelques séquences assez iconiques dans les jeux. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de jeux, attention, que je fais, que ce soit en live ou
Bon, let's play de base, mais ce serait un truc génial que j'aimerais essayer de faire. En... Peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, allez. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce que elle est très très longue. Ça fait, elle est déjà 2h35. C'est une des plus longues vidéos que j'aurais faites. La plus longue, elle dure 6 heures, c'est un live total. Là, on en est moins encore d'ici 6 heures, il reste encore 4 heures, mais je savais très bien que ça allait durer très longtemps. Dans tous les cas, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo, de revenir sur les anciennes vidéos, il y a des trucs que je ne me rappelais plus. C'est très compliqué, hein, encore une fois, comme j'ai dit, d'argumenter sur des vidéos comme ça. Parce qu'il y a des c'est très très longtemps, il n'y a pas beaucoup d'anecdotes, c'est surtout juste le plaisir de pouvoir revoir d'anciennes vidéos. Vous compilez tout ça dans des grosses vidéos de live. Bref, sur ce, ça y est, on est le 31. On est le 31 décembre 2023. Déjà, ça passe vite. L'année est passée à une vitesse folle. Je ne l'ai pas vu passer. Je ne l'ai pas vu passer l'année. Sachant que j'ai passé quand même 3 mois. On va dériver. Mais ouais, quelle année folle a été 2023 en termes de jeu. C'était génial, je me suis éclaté tout au long de cette année à vous proposer des vidéos, des lives. J'ai l'impression que je fais la rétrospective alors que je l'ai fait en, je l'ai fait en fin juillet. Mais voilà. Que dire de plus? Je vous souhaite à tous de passer un très bon réveillon. Alors j'espère que cette VOD sera ressortie avant la soirée du 31, je l'espère. Je vais essayer de la mettre dès demain matin. Dès le matin, je rallume mon PC, dès que mon PC est allumé, j'allume tout, Google et tout ça. Et j'essaie de la mettre directement. En espérant que ça va passer. Mais dans tous les cas, je vous souhaite tous un très bon réveillon. On se retrouve bien sûr en 2024, dès le 1er janvier 2024, le lundi soir, pour le live habituel. Du coup, parce qu'on va reprendre le cycle habituel des lives durant cette première semaine de mois de janvier. Ensuite, il y aura un arrêt pendant quelques jours. Mais ça, je reviendrai plus tard dans la... Je reviendrai plus tard dans la semaine. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous lundi soir à partir de 21h, 21h30 pour la suite. Peut-être la suite de Devine Me, ça je ne sais pas, mais certainement la suite de Sokaisto. Protocole. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer un très très bon réveillon de nouvel an. Faites bien la fête, profitez-en, mais surtout rentrez en bon état et ne buvez pas trop. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci du coup. Oh, deux personnes qui ont laissé un commentaire, donc un Mike Cowboy Best of et un Rasta Albatros. Alors je suis désolé les gars, vous n'avez pas pu rester parce que à cause de ces problèmes de connexion, mais merci à vous d'être passé par là. On se donne rendez-vous l'année prochaine en 2024. Prenez soin de vous, faites pas les fous, jouez à des jeux vidéo et surtout faites-vous plaisir. C'était JG pour Geek City. Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao.